On est en ligne. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à la table ronde Design et Innovation publique organisée par la chaire Design Action Public Innovante de l'École de Design Interatlantique. Je vais laisser un peu plus de monde arriver et vous présenter très rapidement ce en quoi consiste ce programme de recherche par le design qui est soutenu par des acteurs institutionnels à Nantes, donc la ville de Nantes, Nantes Métropole, mais également le département Loire-Atlantique, la région Pays de la Loire, les services du préfet en région, sous un financement Harmonie Mutuelle lancé en avril 2017. Les questions qu'on s'est posées dans ce cadre de cette recherche projet par le design, c'est d'abord comment le design, discipline de projet, peut servir l'innovation publique à Nantes, dans le contexte que nous connaissions, que connaissons ligérien. Quels sont les objectifs et les impacts du design de l'action publique? Et quels sont les atouts et les limites du co-design dans la co-construction de l'action publique? On a choisi de parler d'action publique plutôt que de politique publique en suivant les résultats de l'ANR qui a été dirigée par Frédéric Pallez et Jean-Marc Veller entre 2016 et 2019. Nous nous sommes intéressés à cette question du design de service public pour servir la transformation publique qui est le résultat conjoint de différentes réformes de l'État, notamment un transfert de compétences, notamment le changement de statut des collectivités territoriales et le soutien pour plus de participation citoyenne et d'intégration de la concertation publique au sein de la co-construction des politiques publiques. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais nous avons utilisé les méthodes classiques de design social en immersion, en atelier et également dans les retours que nous avons suscité chez les usagers et chez les experts des propositions de design faites. Elles ont été restituées en novembre 2019. Et là, par exemple, c'était comment utiliser des maquettes à l'échelle Playmobil pour co-construire des solutions qui correspondent aux différentes typologies d'usagers présents, en partant du principe que matérialiser des concepts permettent une intervention plus facilitée des participants. Voici les résultats de l'expérimentation qui a été menée au printemps 2019 et à l'automne 2019 dans le quartier du Grand Bellevue, qui est un quartier politique de la ville, à cheval sur deux communes de la métropole nantaise, Nantes et Saint-Herblain, et également des propositions pour améliorer l'accès aux soins dans une communauté de communes en territoire rural isolé. Et puis très rapidement, parce que le plus important, c'est d'écouter les intervenants qui ont accepté, que je remercie vivement de leur disponibilité, de leur intérêt d'être présents aujourd'hui. Donc d'abord, Bassem Assé, qui est premier adjoint au maire de Nantes, qui présentera le prix de la capitale européenne de l'innovation publique qui a été décerné à la ville de Nantes en 2019. On n'est pas peu fiers, je crois, de ce très beau résultat qui est l'aboutissement de beaucoup de travail hein, collectif et collaboratif. Également Olivier Rigvert qui viendra pareil nous partager son expérience et nous proposer d'utiliser le design comme un outil d'aide à la décision dans un contexte alors de risque et d'incertitude. Hein, il en débattra. Fanny Giordano, que je remercie infiniment également d'être présente, qui est la seule non-nantaise de l'équipe et qui est aujourd'hui doctorante au service Design Lab de l'Université d'Aalborg au Danemark et qui est en thèse en ce moment. Qui présentera l'utilité du co-design dans les organisations municipales du coup, de développement des politiques publiques. Et Pauline Auger, qui est jeune designer du Car Design Lab, donc, et qui présentera les résultats d'un stage qu'elle a conduit au sein de la chaire avec sa camarade Chloé Olivella, le résultat qu'elle propose toutes les deux. Pour répondre à la question atouts et limites du co-design. Après chaque intervention, il y aura 5 minutes d'intervention directe du public. Et puis ensuite, je vous proposerai 25 minutes, une demi-heure, 35 minutes de discussion entre les membres du panel proposé et également avec le public, évidemment. Voilà, the floor is yours, Bassem, à vous. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Bassem Assé, je suis premier adjoint de la maire de Nantes. Pour ceux qui ne connaissent pas Nantes, ce que vous voyez derrière moi, le fond d'écran virtuel, je vous rassure,
Ce sont les anneaux de Buren qui sont placés sur les quais de la Loire, un endroit bien précis à Nantes. Pour ceux qui connaissent la ville, vous l'avez deviné. Et comme je trouve ça plus joli que le mur blanc qui est derrière moi, je me suis permis ça. Je suis élu à la ville de Nantes depuis 7 ans. C'est le deuxième mandat qui démarre là depuis le mois de juillet. Je suis premier adjoint pour ce mandat-ci chargé de ce qu'on appelle la politique de la ville, donc tout ce qui concerne les quartiers populaires de la ville de Nantes, ainsi que le dialogue citoyen et également la relation avec le monde économique et les questions d'emploi. Je suis de ces élus qui ont choisi de garder, en plus du mandat, un emploi plein temps. Donc, j'ai une activité professionnelle dans le domaine du numérique, où je travaille depuis une vingtaine d'années, dans le domaine de l'édition de logiciels. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle à Nantes le dialogue citoyen. Alors, c'est une terminologie un peu particulière. On appelle ça dialogue citoyen simplement pour que les choses soient explicites et que ça parle à tout le monde, en particulier les citoyens à qui on s'adresse. Et donc, on appelle ça dialogue citoyen parce que pour nous, c'est une question de dialogue entre les citoyens, les services de la ville et les élus de la ville dans tout ce qui concerne notre action publique. Et donc, je reprends l'expression que vous utilisez, action publique. Je trouve que c'est beaucoup plus explicite d'ailleurs que politique publique. Ce qui signifie qu'avant de se lancer dans un projet, quel que soit le résultat attendu du projet, idéalement, et je dis bien idéalement, on n'y arrive pas systématiquement, je ne vais pas vous faire croire que tout est rose. Idéalement, on essaye d'avoir une phase de conception de notre projet qui soit le résultat d'un dialogue entre citoyens, élus de la ville et services de la ville, simplement parce que ce sont les trois parties prenantes, les trois parties qui vont être concernées à la fois par la conception du projet, la réalisation du projet, mais aussi l'utilisation de ce qui sortira du projet. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. On essaye de ne pas parler de démocratie participative ou démocratie locale ou je ne sais quoi, parce que c'est peut-être des terminologies un peu précises et parfois qui peuvent perdre le citoyen qui n'est pas habitué à ce langage. Donc, du coup, on se dit que le mot dialogue, eh ben, ça signifie bien ce que ça signifie. C'est un dialogue à trois entre les élus, les citoyens et les services de la ville, donc tous ceux qui sont concernés par un projet. Alors, pourquoi on le fait? Simplement parce qu'on considère que, et Olivier en parlera tout à l'heure 1000 fois mieux que moi, mais simplement parce qu'on considère que quand on mène un projet, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on se trouve, et a fortiori si c'est un secteur qui concerne l'intérêt général, eh bien, mener un projet en prenant en compte l'expertise d'usage de ceux qui vont se servir du résultat du projet, ben, c'est toujours mieux que de ne prendre en compte que les aspects techniques, que les aspects financiers, que les aspects juridiques, etc., etc. Donc, prendre en compte l'usage qui sera fait nous semble utile pour que le projet que l'on mène, et je donnerai quelques exemples tout à l'heure, ça paraîtra beaucoup moins théorique, on pense que prendre en compte l'usage est quelque chose qui est extrêmement important et le plus en amont possible, c'est-à-dire au moment de la conception de l'équipement, au moment de la conception de la norme ou de la politique publique que l'on souhaite mener. Ça, c'est le premier point, c'est l'efficacité de notre action publique. Le deuxième point, qui peut paraître anecdotique, mais qui en réalité, ou anecdotique, ou un peu tiré par les cheveux, mais en réalité, on le constate réellement à chaque fois qu'on l'expérimente, c'est le renforcement de la cohésion sociale qui se crée au sein de notre ville. Ça peut paraître un vœu pieux, ou ça peut paraître une vision un peu idyllique, mais ça ne l'est pas tant que ça, puisque si vous mettez autour de la table des personnes qui ne se seraient pas rencontrées autrement, et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois pour avoir une variété de profils, j'en dirai un mot tout à l'heure. Si on essaye de mettre autour de la table des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement, eh ben on renforce le fait que ces gens-là puissent se parler, puissent partager leur point de vue. Alors, ils ne seront pas d'accord sur tout, mais au moins les points de vue sont exprimés et sont exprimés en général de manière sereine, parce qu'on parle d'un sujet concret. Et donc, à partir de là, on renforce la capacité des gens à se parler dans une ville, à vivre ensemble. Tout le monde en politique, en tout cas, utilise cette expression à tort et à travers, et parfois on ne sait même plus ce que ça veut dire. On utilise souvent l'expression vivre ensemble. Eh bien, vivre ensemble, c'est aussi mener des projets ensemble, utiliser un certain nombre d'équipements, de biens collectifs, de biens communs ensemble. Et donc, on considère que le dialogue citoyen, ça permet de contribuer à renforcer la cohésion sociale dans une ville comme la nôtre. Alors, pour vous donner peut-être quelques illustrations de projets que l'on a menés avec cette idée de dialogue citoyen qui était présente dès le début du projet, je peux vous donner à la fois un exemple d'un jardin qui a été
entièrement rénové. Donc, ça vous paraît être extrêmement simple, un jardin. Pour ceux qui le connaissent, Jardin des Capucins, je pense qu'Olivier le connaît et quelques autres aussi. C'est un jardin qui a été rénové entièrement en prenant en compte l'avis des citoyens, y compris des enfants qui profitent du jardin probablement plus que qui que ce soit d'autre. Et donc, il fallait réussir à les faire s'exprimer sur ce qui ne leur plaît pas dans ce jardin tel qu'il était et ce qui pourrait leur plaire, puisqu'on a l'occasion de modifier le jardin, de le réaménager. Eh bien, il fallait aussi que les enfants, mais également les adultes, les familles, les personnes âgées, puissent exprimer un certain nombre d'idées. Alors, dans différents formats, ça peut être, on a eu des vidéos, on a eu des dessins, on a eu des croquis, puis on a eu de l'expression verbale tout simplement, qui a permis de proposer un certain nombre d'aménagements nouveaux dans un jardin, dans un quartier précis de la ville. Donc ça, c'est un projet plutôt simple qui ne va pas mettre 24 mois à sortir de terre. C'est quelque chose de relativement simple. À l'extrême opposé, un projet beaucoup plus compliqué. Pour ceux qui connaissent la ville de Nantes, vous connaissez certainement la place de la Petite Hollande. La place de la Petite Hollande, c'est à la fois au cœur de Nantes, mais aussi au cœur de la métropole nantaise, donc de l'ensemble des 24 communes qui constituent la métropole. Et là, on est plutôt sur un projet plus compliqué, plus long, et qui va être beaucoup plus structurant pour la ville et même pour la métropole, et où on a aujourd'hui une sorte de parking en plein air qui, une fois par semaine, se transforme en marché, mais qui, le reste du temps, est principalement un parking en plein air. Ce qui se fait de moins en moins, ce qui n'est pas utile en termes d'usage, ce n'est pas efficace, et puis ce n'est pas agréable pour la vie au quotidien. Donc, on a décidé de réaménager cette place. Et ce qu'on aurait pu faire, ce qui aurait été probablement fait il y a 20 ans ou il y a 30 ans ou même il y a encore 10 ans, c'est de dire on lance un concours international, on a des urbanistes, des paysagistes qui vont répondre, et puis on en choisit un, et puis allez, rouler jeunesse, 5 ans plus tard, on a quelque chose qui sort de terre et qui répond à un cahier des charges. Là, on a voulu faire les choses un peu différemment, dans la mesure où, dans la phase amont, dans la phase conception, vraiment avant même de lancer de sélectionner le paysagiste et l'urbaniste qui ont été paysagiste en l'occurrence, qui a été retenu, eh bien, on a demandé à un panel de citoyens, 30, d'analyser les 4 propositions qui étaient faites. C'était un concours international, 4 propositions ont été faites. Donc, ils ont analysé chacune des propositions. Ils ont rencontré chacun des porteurs de projets, donc soutenance, classique. Et deux parmi les 30 du panel, ont participé à la sélection d'un des consortiums. Et celui qui a été retenu savait d'ores et déjà qu'il allait devoir revoir sa copie en prenant en compte un travail en commun, un travail collaboratif avec 30 autres citoyens, donc un nouveau panel de 30 tiré au sort également en partie, qui allait travailler avec lui à ajuster et adapter la proposition initiale qu'il avait faite, mais en travaillant 6 samedis ensemble, donc c'était sur une durée de 4-5 mois, 6 samedis de travail sur site, avec balade urbaine sur la place de la Petite Hollande, et comment cette place agit avec ceux qui l'entourent. Et on pense que ce qui sortira de terre, une fois que le projet aura été réellement lancé, c'est-à-dire le premier coup de pioche effectué, et ce qui sortira réellement de terre, sera probablement nettement meilleur que si on avait fait comme on fait d'habitude, sans prendre en compte l'avis d'usagers finalement de cette place et de citoyens tirés au sort. J'insiste sur ce point, puisque c'est un projet un peu compliqué, qui coûte cher et qui va mettre du temps à sortir de terre. Donc, la phase de conception avec les citoyens a été, elle aussi, assez élaborée et assez avancée. On a pris un panel de 30 en disant qu'il y en avait 10 qui sont des riverains de la place, 10 autres qui sont des habitants de la ville de Nantes et 10 autres qui sont habitants de la métropole, puisque cette place concerne la ville et la métropole au même titre que le quartier en lui-même. Moitié tiré au sort, moitié tiré au sort, moitié sur candidature, moitié homme, moitié femme, ce qui nous a permis d'avoir un panel relativement divers en termes de points de vue et de regards portés sur le projet. Et alors, j'en profite pour souligner le fait que pour nous, le succès de ces démarches, et ce n'est pas toujours évident, il faut se le dire, ça ne marche pas à tous les coups, le succès de ces démarches est directement lié à la diversité des profils qui s'expriment. C'est-à-dire que si vous me prenez typiquement là, sur ce projet-là, si on avait pris uniquement des personnes qui sont riverains de cette place, évidemment, leur point de vue allait avoir une utilité et une vraie expertise, mais du point de vue de ceux qui habitent autour de la place. Mais tous les autres qui passent par cette place et qui ont un certain usage qui est un peu différent de celui des riverains, comment on aurait fait pour avoir leur point de vue si on ne s'était pas forcé
et forcer à avoir un point de vue différent, donc celui des habitants de la ville ou celui des habitants de la métropole, en plus des habitants qui sont du quartier et donc riverains de la place. Donc cette variété de points de vue, on essaye de la mettre en place autant que possible dans ce type de panel citoyen, simplement parce qu'on considère que c'est ce qui fait évoluer la pensée, c'est-à-dire qu'on commence par un projet avec une idée, chacun d'entre nous a une idée autour du projet, et puis petit à petit, en confrontant les points de vue, on va d'un point A à un point B, et on pense que le point B est probablement meilleur que le point A, simplement parce que par la confrontation des points de vue, on arrive à avancer et aller vers quelque chose qui sera plus utile, en tout cas du point de vue de l'intérêt général. Et encore une fois, ça c'est un point important, c'est aussi pour ça qu'on souhaite que les points de vue soient les plus variés possibles. On essaye de faire en sorte que l'intérêt général ressorte de ce qu'on, de ces chantiers-là, de cette façon d'aborder les projets, parce que notre objectif, c'est pas de ne Notre objectif, c'est pas de répondre uniquement à des intérêts particuliers qui viendraient s'agréger et s'additionner. Notre objectif, c'est d'atteindre quelque chose qui est très théorique, mais je pense qu'on arrive à l'atteindre régulièrement, pas systématiquement évidemment, au travers de la confrontation des points de vue et des points de vue les plus variés possibles. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que ce n'est pas toujours évident d'attirer des points de vue divers sur la conception d'un projet. Alors, je pourrais vous parler d'un paquet d'autres sujets, mais je ne vais pas passer trop de temps dessus. Je voudrais d'abord vous, maintenant, donc dans un deuxième temps, et puis j'arrêterai à l'heure, évidemment. Dans un deuxième temps, je voudrais vous parler de la méthode qu'on essaye d'appliquer à chaque fois. À chaque fois, on essaye d'appliquer la méthode suivante. D'abord, identifier un problème ou un projet, parce que ce n'est pas toujours pour régler des problèmes qu'on intervient. Parfois, il y a une opportunité qui existe et il faut s'appuyer dessus pour mener un projet. Donc d'abord, être capable d'identifier les projets ou les problèmes, ce qui veut dire qu'il faut aussi impliquer les citoyens dans l'identification des problèmes. Par exemple, quand dans votre rue dans la rue de l'école de vos enfants, vous constatez que la façon de conduire des automobilistes n'est pas très sécurisante, eh bien, il faut réussir à soulever le problème, il faut que la collectivité puisse l'entendre et qu'elle puisse mettre en place quelque chose qui prenne en compte à la fois le point de vue des piétons qui viennent régulièrement là, qu'ils soient riverains ou qu'ils aient des enfants dans l'école, mais aussi les automobilistes quand ils passent et pourquoi ils passent par là, etc. Donc, identifier le problème déjà en écoutant ce que les citoyens ont à dire. Une fois que le problème est avéré et qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs points de vue qui s'expriment et qui confirment que le problème existe ou que l'opportunité existe, parfois ce n'est pas un problème, c'est juste une opportunité qui se présente, on fait ce qu'on appelle un mandat citoyen, c'est-à-dire qu'on rédige une ou quatre. En général, ça dépasse rarement les quatre, mais une, deux, trois ou quatre questions qui sont soumises au travail d'un atelier citoyen. Ce panel dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, en fait, on leur donne comme tâche de répondre à ces quatre questions. Ce qui veut dire que le panel, ce n'est pas le café de commerce. Le panel, c'est un endroit, avec tout le respect qu'on doit au café de commerce, évidemment, quand ils réouvriront, mais le panel, c'est un endroit où ils vont pouvoir travailler ensemble pour pouvoir répondre à des questions aussi précises que possible, en analysant le contexte, en ayant recours à l'expertise technique parfois nécessaire, mais de manière à ce qu'eux, en tant que citoyens, en tant qu'usagers d'un espace ou d'un futur équipement, etc., qu'ils puissent donner leur avis en étant aussi précis que possible, en répondant à des questions précises. Ensuite, ils rédigent leur réponse, ça se transforme en quelque chose qu'on appelle avis citoyen. Donc, on a identifié le problème, on a identifié les personnes qui peuvent travailler dessus, ils ont un mandat citoyen, ils analysent le problème, ils apportent des réponses ou des pistes, en tout cas. Et ils rendent un avis citoyen. Et c'est cet avis auquel la collectivité se doit de répondre en instruisant par les services techniques, y compris sur l'aspect juridique, sur l'aspect technique, sur l'aspect financier, etc. Donc, par les services de la collectivité, on essaye de répondre à l'avis citoyen qui a été émis. Et puis, en fonction de cette réponse et en fonction de la confrontation de ce qui est sorti de l'avis et de la réponse de la ville, eh bien, les élus décident d'aller vers tel ou tel type de projet en ajustant évidemment en fonction de l'avis des citoyens. Alors, tout ça peut vous paraître très idyllique, très idéalisé. Je vous confirme, ça ne marche pas à tous les coups, mais on essaye de le rendre possible autant que faire se peut. Et au final, ce qu'il faut aussi se garder à l'esprit, et ça sera probablement ma conclusion pour respecter le timing, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, après tout, cette défiance qui existe entre les citoyens et les élus, elle existe, il ne faut pas la nier. Mais si on veut la réduire, il faut réussir à se dire que le citoyen a une expertise d'usage qu'il peut mettre au service de l'intérêt général, d'une part, et d'autre part, l'élu, il a aussi intérêt à ce que l'action publique qu'il mène et que la collectivité mène en faveur de l'intérêt général,
eh ben, pardon, que cette action publique soit en faveur de l'intérêt général. Il n'a aucun intérêt à aller faire l'exact inverse de ce qu'un atelier citoyen propose, par exemple. Au contraire, son intérêt, c'est de dire, eh ben, répondons à l'attente autant que faire se peut. Alors, ce n'est pas de la démagogie, évidemment, puisqu'on ne va pas aller vers nécessairement ce que le plus grand nombre dit et la solution de facilité. On va aller vers ce qu'une confrontation de points de vue a permis d'aboutir, à ce à quoi cette confrontation de points de vue a permis d'aboutir. Voilà, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'était principalement le fait qu'on est vraiment dans une logique de dialogue entre les citoyens, les services de la ville qui mènent les projets en général une fois qu'ils ont été conçus, c'est eux qui les réalisent, ou ils les sous-traitent, mais en tout cas, ils sont responsables de la réalisation, et les élus. Voilà ce qu'on pouvait en dire en une quinzaine de minutes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Bassem, d'avoir tenu les 15 minutes. Il y a trois questions. Une qui pose sur les questions de risque politique, risque au pluriel, politique, entre guillemets, si vous les identifiez. Je pense que vous venez juste en conclusion d'en mentionner un. Une autre question qui porte sur les questions d'accompagnement sur ce protocole de participation et d'atelier. Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier donc, que vous voudriez mettre en avant ou pas? Et plutôt une question, comment se fait le tirage au sort? Donc là, c'est très technique. Et est-ce que le marché a pu... Enfin, les personnes qui vendent sur le marché de la Petite Hollande ont été aussi intégrées dans ces démarches les samedis avec les citoyens qui participaient au panel? Oui, donc sur la question des risques politiques, évidemment, ils existent. En réalité, le meilleur moyen en politique de ne pas prendre de risques, c'est de ne rien faire. Donc, dès qu'on bouge d'un centimètre, nécessairement, il y a risque. Nécessairement, on est soumis au feu de la critique. Et a fortiori, dans une époque où, et je m'en réjouis, hein, je ne trouve pas ça négatif du tout, a fortiori, dans une époque où les réseaux sociaux permettent à chacun d'accéder à une façon de communiquer qui touche plus ou moins de monde, mais en tout cas, à un vecteur de communication qui permet de lancer des critiques parfois constructive, parfois moins, ça dépend des cas. En tout cas, le vrai risque politique, en réalité, c'est pas tant le fait de subir une critique, ça c'est normal, au contraire, on cherche un peu aussi la construction de quelque chose avec des gens, donc de fait, des points de vue divergents, parfois critiques. Non, le vrai risque, c'est de tomber dans une logique du « not in my backyard », c'est-à-dire que systématiquement, les projets sont très bien, mais chez le voisin d'à côté, pas chez moi. Et évidemment, on peut le comprendre parfois, et donc il faut en discuter, et c'est pour ça que le rôle des riverains est extrêmement important, mais ça ne peut pas être de l'intérêt général si chacun dit « not in my backyard », sinon ça ne peut pas marcher, on ne peut pas construire quelque chose ensemble. Ça, c'est le principal risque, je pense. Ensuite, il y a un petit risque aussi, c'est que le politique se serve de cette façon de faire pour dire « vous voyez, ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est les citoyens ». Non, il y a un responsable, il est élu pour être responsable. Il y a un principe de, je ne sais pas quel est le meilleur terme en français, mais en anglais, on appelle ça « accountability ». On est comptable, on est responsable de la décision qui est prise. Et c'est pour ça que c'est important que l'élu soit dans l'état d'esprit d'être responsable de la décision, y compris lorsqu'elle est prise en commun accord avec un panel citoyen, par exemple. Le deuxième point, ça concernait, désolé, j'ai oublié le deuxième. Le troisième, ça concernait les marchands, donc les commerçants qui sont sur la place de la Petite Hollande, donc qui participent au marché. Leur point de vue est pris en compte, mais ce n'est jamais évident de prendre en compte les commerçants en général, pas spécifiquement sur ce projet, simplement parce que si nos réunions ont lieu entre 18 et 19 heures, évidemment, eux, jusqu'à 20 heures, ils ne sont pas disponibles. Quand on fait ça le samedi matin, évidemment, ils ne sont pas disponibles. Donc, vous arrivez à atteindre certains types de profils. Par exemple, les familles, on arrive à les atteindre en ouvrant, si c'est le samedi matin, une salle de babysitting de manière à ce qu'ils puissent venir avec leurs enfants, mais qu'on puisse quand même avoir leur avis en tant que famille, etc. Parfois, certains profils, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a missionné quelqu'un qui est allé les interroger, en tout cas les tenir au courant du projet. Et ce qui était défini comme impossible à modifier dans le projet, c'est que le marché doit exister. Donc, aucun projet pouvait exclure le marché. Nécessairement, le marché était présent. Il y avait une deuxième question que j'ai oubliée, pardon. Vous êtes en mute, je ne vous entends pas. Comment étaient tirées au sort les personnes et comment le panel a été constitué? Est-ce que vous avez été accompagné et comment sur ce protocole également de participation aux ateliers? Oui, tout à fait. En fait,
On est accompagné, mais pas nécessaire. On est accompagné par des entreprises qui savent gérer ce type de projet, parfois des designers, parfois pas explicitement des designers, juste de l'accompagnement. Selon les projets, c'est plus ou moins. C'est-à-dire qu'un projet comme la Petite Hollande, oui, les projets qui sont plus petits, pas nécessairement. Ça, c'est pour répondre à votre question sur l'accompagnement et sur. Désolé, je l'ai encore oublié. Une autre question également sur les contraintes techniques. Est-ce que c'est compliqué d'expliquer les contraintes techniques aux usagers? Oui, ce n'est pas évident, il faut un peu de pédagogie, mais il faut le faire quand même parce que l'usager est adulte, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre en compte aussi les contraintes, y compris financières. Et typiquement, quand j'ai dit tout à l'heure, la contrainte principale sur le marché de la Petite Hollande, c'était que le marché devait rester, pardon, sur le projet Place de la Petite Hollande, c'était que le marché devait rester. Bien Bon, ben, c'est sûr. facile à expliquer. Des contraintes techniques peuvent être expliquées aussi. Sur la question du tirage au sort, il y a plusieurs modalités. Celle qu'on ne prend pas, c'est le tirage au sort sur liste électorale, parce qu'on veut que les citoyens qui habitent à Nantes, qu'ils soient citoyens français ou étrangers habitant à Nantes, donc citoyens nantais en tout cas, qu'ils puissent participer. Et pour le coup, on a testé plusieurs modalités, notamment l'abonnement à l'eau, mais aussi l'abonnement au téléphone, sachant que ce n'est jamais, il n'y a jamais la meilleure solution qui existe, parce que par exemple, quand on a pris l'abonnement à l'eau, au service de l'eau, on a constaté que c'était souvent l'homme dans le foyer qui avait l'abonnement et pas la femme. Or, on avait besoin aussi que ça soit moitié-moitié homme-femme. Donc, voilà, probablement que l'abonnement au téléphone, c'est ce qui nous semble le plus adapté à ce stade, en particulier pour ne pas exclure les non-citoyens français. C'est très intéressant. Il y a une dernière question, puis ensuite je laisserai Olivier présenter également son point, enfin sa contribution. Une question qui dit est-ce que avec un panel qualitatif, avec ces règles qui permettent de maintenir une représentativité des citoyens et des habitants de la métropole nantaise, est-ce que vous pouvez avoir une mesure de la pertinence du coût du diagnostic citoyen? En fait, c'est jamais évident de mesurer parce qu'en fait, c'est physiquement impossible de savoir ce qui se serait passé si on n'avait pas fait ça. On peut imaginer des hypothèses. On peut dire probablement qu'on serait parti plutôt par là au lieu de partir par là. Mais c'est impossible de dire, sauf à faire deux fois le même projet, ce qui n'arrive jamais, heureusement. C'est impossible à dire, bah, voilà l'écart et voilà l'amélioration qu'on a vue. Ce qui est en revanche possible de faire, c'est quand on a un équipement qu'on refait entièrement, de se dire, ben voilà, l'ancien équipement avait tel et tel défaut, dans le nouvel équipement, parce qu'on s'est appuyé sur l'expertise d'usage, eh bien, tel et tel défaut ont disparu, et tel avantage nouveau sont apparus. Bon, là, c'est plus simple. Mais ce n'est jamais évident de quantifier tout ça. Et juste pour conclure et dire un dernier mot, la façon dont je vous ai présenté les choses et les exemples que j'ai pris, c'était pour illustrer ce qu'on pense être une bonne façon de faire. Mais tout ça n'est pas une science exacte. Et parfois, les choses peuvent évoluer au fur et à mesure qu'on avance. Et à la limite, si elles évoluent dans le bon sens, bah, tant mieux, quoi. Ce n'est pas une méthode figée, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et puis évidemment, on n'arrive pas à le faire pour l'ensemble des projets que l'on mène. Il y a toujours des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Et puis bon, bah, on essaye d'améliorer. L'idée, c'est que ça soit de l'amélioration en continu, en fait, pour ceux qui font du développement logiciel savent que c'est comme ça qu'on améliore la qualité d'un logiciel. Bon, bah, sauf que là, on ne fonctionne pas avec du logiciel, on fonctionne avec des choses solides, du dur, de l'espace public, de l'équipement. Et donc, évidemment, c'est un peu plus compliqué d'être agile avec ce type de produits finis, on va dire, d'équipement fini. Merci beaucoup, Bassem. Restez avec nous jusqu'à 17h30. Il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, mais peut-être que Olivier, tu veux... à toi. On t'écoute. Ouais, non, on discutera tout à l'heure. Il y a des choses enfin, intéressantes. Et puis, ça recoupe pour partie ce que je vais raconter, tout en sachant que moi, je suis sur l'incertitude. Donc, l'incertitude, c'est sur des trucs un peu plus gros que ça. Enfin, c'est plus sur des politiques publiques ou sur des enjeux assez lourds. On va un peu changer de niveau. Donc, moi, je vais apparaître un petit peu conceptuel par rapport à ce que vient de faire Bassem. Ce qui est assez rigolo quand on connaît Bassem, que je le prenne sur le terrain du conceptuel, bon, c'est drôle. On en reparlera. Moi, je vais vous parler de design comme outil d'aide à la décision publique dans un contexte d'incertitude. Avant de vous expliquer tout ça, je vais vous dire qui je suis. Je suis Olivier Rigvert. J'ai passé 20 ans dans les collectivités locales, à des postes de direction, de com, de tout ça. Et depuis 10 ans, je m'occupe d'innovation publique. J'ai
monter un lab dans la collectivité où j'étais. Je l'ai fait avec la 27e région, mais en 2010, je vous parle de la préhistoire, en tout cas française. Et puis après, j'ai géré une structure de promotion du design dans ma région. En fait, ce qui fait que j'ai la double culture, j'ai la culture administrative, j'ai la culture design, ce qui me permet de servir de plateforme et d'aider à la compréhension des uns avec les autres, c'est ce dont j'ai fait mon métier. Et j'accompagne des collectivités, et petites ou grandes, et aussi, je travaille beaucoup avec NFPT. Donc, il y a le Centre national de la fonction publique territoriale qui s'occupe de la formation et notamment j'anime un MOOC qui s'appelle le MOOC Innovation publique territoriale, qu'on a à quatre éditions. On fait la cinquième en mars. Voilà, on a déjà eu 12 000 personnes qui l'ont suivi, donc on est content, ça marche. Alors, revenons à notre sujet. Clémence a dit tout à l'heure risque ou incertitude. Alors en fait, c'est parce qu'au départ on avait discuté de risque et puis on est allé sur incertitude, mais en fait c'est mieux incertitude, c'est plus vrai que risque, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi en fait c'est plus l'incertitude le problème. Déjà, pour essayer de différencier, je vais prendre une image. Le risque, c'est la grippe. Il y a un risque de grippe, d'épidémie de grippe, mais on sait faire. On s'est documenté, on a les outils, on a les procédures. L'incertitude, c'est la COVID-19. On ne sait pas trop où ça va, on sait que c'est grave, mais on maîtrise rien, et puis il faut avancer en tâtonnant un petit peu. Donc là, on est dans la difficulté. On est dans la difficulté notamment parce que ça heurte un truc énorme qui est une espèce de bloc culturel dans l'action publique, qui est que l'administration n'a pas le droit de se tromper. Alors, elle déteste l'incertitude à cause de ça, parce qu'elle peut pas se tromper. Alors, c'est normal, hein. Elle est garante, elle est dépositaire de l'intérêt général, donc elle doit être juste, elle doit être exacte. Mais et donc, elle a des procédures, tout ça est organisé. Mais en fait, quand l'incertitude arrive, il faut quand même faire face, hein, parce qu'il y a un autre truc que la culture, il y a les valeurs du service public, et dans les valeurs, il y a l'adaptabilité. Donc, il faut s'adapter. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur la COVID-19, puisque l'année dernière, on a vu plein de collectivités qui trouvaient des nouvelles façons de faire, qui jetaient de côté les procédures pour trouver des nouvelles solutions faire face. Alors en tâtonnant, en imaginant au fur et à mesure et en acceptant l'incertitude. Et c'est bien, parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'il y a plein d'incertitudes auxquelles est confronté l'acteur public. Je vais vous en prendre deux toutes petites. La façon de résoudre la question du réchauffement climatique, par exemple, c'est plein d'incertitudes. Ou une question dont Bassem parlait, qui est la perte de confiance dans les institutions. Il y a plein d'incertitudes devant nous. Et voilà. Alors, d'habitude, à cause de l'administration n'a pas le droit de se tromper, on ne traite pas ce genre de sujet, mais pourtant, il faut le traiter. Parce qu'on est un peu dans la situation du lapin qui voit les phares de la voiture arriver sur la route et puis qui est tétanisé, alors qu'au contraire, il faudrait qu'il bouge. Il faut agir sur ces questions-là. Vous avez vu, j'ai mis un joli lapin derrière moi. C'est parce que j'ai fait un petit bestiaire pour étalonner un peu mon intervention. Un des trucs qui fait que l'incertitude, c'est difficile à prendre en considération, c'est que c'est complexe. C'est parce que l'incertitude, il y a du complexe, c'est pas du compliqué. Vous savez, le compliqué, c'est un peu comme dans les logiciels, on donne une tâche à chacun, on découpe en petits morceaux simples et puis on traite, quoi. Mais le complexe, c'est plus dur que ça. Il y a des interactions, ça bouge, c'est mouvant, ça va pas être tout le temps la même chose. Donc on peut pas utiliser une procédure. Voilà, c'est comme ça. Et souvent, c'est complexe. Parce qu'il y a du sensible, parce qu'il y a de l'humain, parce que les gens ne sont pas tout le temps cartésiens, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Hein. Et donc, pour traiter le complexe et pour traiter l'humain, il y a un outil qui est vachement bien, qui s'appelle le design. Donc, ça va être la suite de mon intervention. Mais avant ça, je voudrais revenir sur un point particulier. Et c'est pareil, Bassem, ça veut dire un truc. Depuis 30 ans, il y a eu un truc qui a un peu bougé les choses, c'est Internet, en fait. Vous savez, Internet. En fait, Internet, il y a deux choses. C'est que, un, avec l'anonymat qui n'existe plus, mais enfin, qui reste dans l'imaginaire,
et ben les gens, ils ont pris l'habitude de prendre la parole, et puis ben maintenant, ils ne se taisent plus. Et donc, ils l'ouvrent sur tout et n'importe quoi, des fois en bien, des fois pas en bien. C'est comme ça qu'on a 60 millions de... On dit toujours qu'on a 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de football, où les gens savent comment ils vont réduire le chômage, tout ça. Mais de fait, les gens prennent la parole. Donc, c'est un premier truc qu'apporte Internet. Le deuxième truc d'Internet, c'est que les gens veulent des réponses personnalisées. La grosse réponse de masse, c'est plus possible. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils peuvent choisir leur programme sur Netflix ou trouver une solution qui leur convient exactement pour plein de choses sur Internet, et que quand ils demandent à une administration comment ça se passe pour les questions d'urbanisme, on leur renvoie un courrier type avec un CERFA. Ça, c'est pas possible. Ça, les gens ne comprennent pas, ils supportent plus ça. Alors, je développe pas ça, mais si vous êtes en situation de prendre des décisions dans un contexte d'incertitude, je vous engage à lire un livre qui s'appelle « L'âge de la multitude », qui a été écrit par Nicolas Collin, qui est un ancien inspecteur des finances, et Henri Verdier, qui est l'ambassadeur de la France au niveau du numérique, et qui vous explique tout ça, qui vous explique comment la musique, comment les taxis, et puis comment plein d'autres sont en train de se faire dépasser parce qu'ils avaient des réponses de masse, alors qu'il faut trouver des réponses précises pour les gens. Et c'est ça c'est un enjeu important dans le secteur public. Et là encore, le design a un certain nombre de réponses à tout ça. La réponse, elle tient dans un mot que je vais dire et que, en général, je me fais engueuler quand je le dis, mais c'est la désirabilité. C'est-à-dire, quand on est dans un projet, il faut qu'il soit faisable. Donc, est-ce qu'on a les technos, est-ce qu'on sait faire? Il faut qu'il soit viable. Est-ce qu'il y a le budget ou est-ce qu'il y a le marché? Ça, c'est plutôt dans le secteur privé. Et puis, il y a aussi la question de la désirabilité. Je n'arrive pas à le dire. C'est est-ce que c'est utile? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est ergonomique? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça me fait vivre une bonne expérience? Est-ce que ça me renvoie une bonne image de moi? Bref, est-ce que c'est désirable, quoi? Et ça, le design va travailler là-dessus et a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils qui réintègrent cette dimension humaine dans le projet. Alors, je parle d'outils, vous avez certainement entendu parler plutôt de méthodes, de design, genre le design thinking, tout ça. Moi, je ne crois pas trop à l'idée qu'il y ait une méthode, mais en tout cas, il y a des étapes. Et je vais revenir sur trois étapes qui réduisent vraiment beaucoup l'incertitude dans l'action publique. Dans ce qu'on fait dans un projet de design. Le premier, c'est dans la partie de compréhension d'un sujet. Il y a Jean-Patrick Péché, qui a été prof à l'école de design de Nantes, qui est designer, qui dit que tout problème est par définition mal posé. Et donc, quand on commence à investiguer quelque chose, eh ben, il faut ouvrir les écoutilles, essayer de comprendre ce qui se passe et pas partir avec son modèle à soi et avec ce qu'on sait seulement. Et il faut être ouvert à ce qu'on va pouvoir entendre et donc comprendre, aller voir tout autour du sujet. Donc, ça va être y compris dans l'art, dans la technique, dans la mythologie parfois, enfin un peu tout et n'importe quoi. C'est dans la phase de compréhension qu'on va ouvrir le sujet. Donc, en augmentant sa compréhension des choses, en augmentant sa connaissance, on réduit déjà la partie incertitude du projet. Mais même, d'une certaine façon, en ayant cette posture d'ouverture, on réduit aussi l'incertitude parce que souvent, c'est par son modèle mental, c'est parce qu'on a une vision des choses et qu'on n'en sort pas, parce qu'on a un cadre, qu'on va faire des mauvais choix. Je vais vous donner un exemple de... Alors, Nassim Taleb, qui est un prospectiviste américain, il appelle ça les signes noirs. Alors, les trucs, on ne sait pas pourquoi ça arrive, mais ça change tout. Par exemple, on peut dire que c'est un signe noir. Et puis, on peut se dire que si jamais on avait pris en considération ce que les auteurs de science-fiction avaient dit, si on avait pris en considération ce que disent les scientifiques sur la fonte du pergélisol en Sibérie, qui disent qu'il va y avoir des virus qui vont nous sortir de partout, si on prend en considération le SRAS en Asie, si on prend en considération ce que disait Bill Gates, c'était pas un signe noir. On aurait dû prendre ça en considération et on aurait dû pas jeter les masques. Et parce que c'est un modèle mental qui a fait qu'on a fait ce choix-là. Donc, si on prend le temps de bien comprendre un sujet et de le connaître par cœur, on s'enlève de l'incertitude.
La deuxième chose, ça me parlait de la variété des profils. Et c'est au moment où on va essayer de trouver des nouvelles idées que c'est important. Dans la variété des profils, on va trouver une assurance de tomber sur une idée qui tienne un peu la route, quoi. Donc, on va s'augmenter la connaissance en écoutant ce que disent les autres. Et avec cette altérité, on va construire quelque chose de mieux. De ce fait, on réduit encore l'incertitude. Et aussi, et ça, j'ai envie de vous dire, si on arrive à créer la confiance et si les gens livrent ce qu'ils ressentent, leur instinct, leur c'est pour ça qu'il y a un cerveau reptilien là, s'ils sont capables de raconter des choses dont ils ne sont pas sûrs, mais qu'ils ressentent, parce que c'est comme ça qu'ils sentent le truc, parce qu'ils ont c'est leur monde professionnel, c'est leur valeur, et ben là, on va avoir encore des informations complémentaires qui vont encore réduire l'incertitude. Enfin, le dernier truc, c'est la méthode du prototypage qui prend en considération l'incertitude et qui l'atteste. En fait, comment lever une incertitude ? Ben, en l'essayant. Et puis, si ça marche, eh ben, c'est bien. Et il faut justement tester les trucs un peu dingues en premier, parce que c'est de là dont peut naître l'innovation. J'avais à l'esprit l'exemple de la mouche dans les urinoirs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. On en parle beaucoup dans le monde des nudges, mais dans l'urinoir, les gens visent la mouche, puis comme ça, ils n'en mettent pas partout, quoi. Et y a un type, une fille, je ne sais pas, qui s'est dit, on va tester ça, quoi. Il a mis un sticker avec une mouche dans un urinoir pour voir ce que ça faisait. Cartésiennement parlant, s'il n'avait pas accepté de voir ce que ça ferait, eh ben, ça, on n'aurait jamais fait ça. Donc voilà, vous voyez, cette logique-là du prototypage, elle permet encore une fois de réduire l'incertitude. Donc vous voyez, à trois stades d'un projet, dans la compréhension d'un projet, dans la créativité autour d'un projet, dans le prototypage, on a cette possibilité de réduire les incertitudes et donc de se donner la chance de réussir quelque chose. J'ai dit au début que l'incertitude, c'est l'horizon de l'acteur public dans la période. Il faut quand même le prendre en considération. Et il va être de plus en plus compliqué de refuser l'obstacle par peur de se tromper. Et justement, à travers le design, il y a d'autres solutions, mais celle-là est particulièrement vraie. Et ben, on a une façon de se sécuriser. Voilà. J'ai tenu le temps. Tout à fait, nickel. C'est cool. Bravo. Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions, notamment de Sylvie Chocroun, que tu connais. Oui. Qui propose de parler d'approche du design plutôt que de méthode. Mais bon, elle dit effectivement, nous sommes dans l'incertitude. Hein, et merci beaucoup d'en avoir parlé. Elle pense aussi que savoir improviser, c'est très important. Et du coup, elle voudrait savoir ce que tu en penses. Comment on improvise en temps d'incertitude ? Eh bien, il faut avoir un socle de connaissances important. Agréger les gens qui peuvent vous aider et puis tester des trucs et puis voir ce que ça donne. Vous savez, avec la 27e, depuis longtemps, on défend l'idée du piratage bienveillant, du hacking, qui est de dire... il faut arriver à trouver des solutions qui respectent sinon la lettre, du moins l'esprit du service public. Donc, des fois, on fait des trucs un peu différents. On teste. Si on reste dans la bienveillance, si on reste dans un certain nombre de valeurs de base comme ça, on peut essayer de faire des choses qui sont un peu borderline et puis voir ce que ça donne. Après, c'est vrai qu'on se met un petit peu en difficulté. On se met un peu en très de risque, quoi. Et il y a une autre question du coup d'une étudiante de deuxième année de CAIR qui s'appelle Tassia qui dit dans un contexte d'entreprise à but lucratif, on récolte beaucoup de données pour personnaliser des solutions et prévoir les désirs des consommateurs. Est-ce que c'est une approche ou une stratégie qui peut être répliquée, adaptée, transférée aux politiques publiques ? Il y a plusieurs choses. Alors, il y a des très mauvais exemples en Angleterre ou aux États-Unis de traitement informatisé de questionnements du secteur public, des algos qui font des trucs catastrophiques. Après,
Ça dépend quoi. Il y a plein de choses qu'on peut, où les data peuvent être utiles, mais il y a un moment donné où il faut, enfin, il y a un moment donné où l'humanité ne suffit pas encore. En fait, si on, la personnalisation, elle est possible jusqu'à un certain niveau, donc il faut un niveau de collectivité qui soit suffisant pour ça. On n'arrivera pas à le faire dans des petites structures qui ne seront pas capables de faire face à la RGPD, par exemple, et donc qui vont se mettre en vrai danger. Donc, oui, dans le secteur public, oui, mais au niveau de l'État, peut-être au niveau de 100 ou 150 grandes collectivités, mais la plupart du temps, non. Enfin, ou alors... dans le domaine du service simple, quoi. Et on peut ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Je ne sais pas si Bassem, vous voulez réagir ou... En fait, c'est pas un sujet simple, l'histoire de la collecte de données, parce que a priori, comme ça, on se dit que la collecte des données, c'est le diable absolu. Parce qu'on a l'habitude que Facebook, que Google, etc., collectent nos données pour nous vendre de la publicité ou attirer notre attention sur quelque chose ou changer notre point de vue. Vous savez qu'il y a des auteurs qui parlent de capitalisme de surveillance. Donc, on se retrouve surveillé et petit à petit, non seulement le surveiller, mais en plus, un concept. Voilà. Donc, sans aller jusqu'à cet extrême et tant qu'on reste dans une logique d'intérêt général, et à Nantes, on a mis en place une charte de la donnée publique qui nous oblige à respecter un certain nombre de règles. Donc, tant qu'on reste dans une logique d'intérêt général, je pense que, en étant conscient du risque qui vient avec le traitement des données de masse, on ne peut pas non plus dire que ces données ne servent à rien et ne pas tirer profit de ce qu'elles peuvent... de ce qu'elles peuvent apporter comme valeur ajoutée à la décision publique. Et en fait, finalement, c'est un éclairage comme un autre, tout comme il y a un éclairage juridique, un éclairage financier, un éclairage technique, l'éclairage du panel citoyen qui, d'un point de vue qualitatif, donne un certain nombre de choses. Eh bien, par exemple, les déplacements et la circulation des citoyens dans une ville, eh bien, en fait, vous pouvez aussi réussir de manière anonymisée à mieux le cerner et donc à prendre les bonnes décisions sur les vitesses de circulation, sur ce genre de choses, grâce aux données que vous arrivez à collecter et à retraiter. Mais de manière anonymisée d'une part, pour respecter la vie privée, et d'autre part, en veillant à ce que les décisions qui sont prises individuellement ne s'appuient pas exclusivement sur les données de masse et l'algorithme qui les sort. Donc, pas de décision individuelle et personnalisée qui sortent de manière automatisée par un algorithme. Il faut que ça reste, tout ça doit rester humain et démocratique. Ouais, et puis il faut quand même une certaine infrastructure derrière. Enfin, c'est pour ça que je parlais de 150 collectivités, c'est parce que tu peux faire face à la RGPD, toi, mais tu sors de l'aglo, c'est fini. Enfin, tu vois, il y a aussi cette dimension-là. Hein. C'est clair. C'est clair. Clémence, tu as coupé ton micro ? Pour vous laisser parler. On va proposer à Fanny d'enchaîner avec sa contribution. Est-ce que... le partage d'écran fonctionne ? Bonne question. J'essaie. Et il faut le mettre en view. Ouais. Ça marche ? Ça marche très bien, on t'écoute. Super. Merci Bassem et Olivier de m'avoir fait un premier, une première... Ça va lier très bien avec ce que je vais dire et je vais parler plus d'un autre niveau encore. Où une fois qu'on a adopté le co-design et qu'on a envie de l'utiliser de façon récurrente dans une mairie, comment est-ce qu'on adapte d'un point de vue organisationnel la structure d'une mairie. Donc, d'abord, merci Clémence et Frédéric pour votre invitation. Je suis vraiment curieuse de ce qui se passe dans votre ville. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de venir en juin prochain. Et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fanny. Je suis designer graphique à la base. Et puis, j'ai complété ma formation par un master en design de service. En 2017, j'ai eu la drôle d'idée de dire oui à un projet de thèse qui était proposé par mes collègues du Service Design Lab à Aalborg University à Copenhague, au Danemark. Donc.
Donc, je vais essayer de respecter les 15-20 minutes qui me sont imparties. Donc, je vais prendre de gros raccourcis pour introduire mon sujet et aller directement à la partie la plus croustillante. Donc, co-design, où es-tu? C'est la question que je me suis posée et que j'ai posée à des fonctionnaires, des managers, des designers, des leaders, des mairies de Copenhague et New York City, mais pas que. Mais donc, des mairies qui sont déjà dans une pratique co-design, ou en tout cas qui essaye. Alors par co-design, ça a été déjà mentionné, mais je veux parler du co-design comme un processus appliqué à la conception de politiques et services publics. J'aime bien aussi le mot action publique, qui suit des principes participatifs et utilise des outils qui révèlent des connaissances intuitives, émotionnelles, holistiques et pas forcément verbales. Voilà, une petite définition. On passe à la suite. Donc, le co-design, ces personnes que j'ai rencontrées ont déjà une connaissance et une compréhension de ce qu'est le co-design. Ils ont aussi des ressources physiques et intellectuelles et même budgétaires spécialement pour. Donc, ça, c'est de l'équipe du Civic Service Design à New York City. Et donc, ils forment des fonctionnaires autour d'eux et mènent des projets avec une variété d'acteurs, citoyens inclus. Allez voir ce qu'ils font. Ils partagent beaucoup sur leurs activités sur Medium. Je leur ai rendu visite donc 6 mois l'année dernière. J'ai vraiment beaucoup appris. Et donc, ils font beaucoup de choses. Ils sont tout nouveaux, mais ce n'est pas tout rose non plus. Ils rencontrent des difficultés. Et donc, pour... des difficultés pour pousser leur pratique jusqu'au bout et à plus grandes échelles. Et ce, donc, pour plusieurs raisons, et je me suis intéressée à l'une d'entre elles, et c'est-à-dire les caractéristiques organisationnelles des grandes mairies. Un mot un peu, peut-être qui fait peur, mais vous allez voir, c'est pas méchant du tout. Donc, ces caractéristiques, l'une, c'est la verticalité et la hiérarchie. Des séparations claires et nettes entre les départements, les divisions, les agences et même les équipes. Donc, du déprojet au budget en passant par les corbeilles de fruits du département, d'un département à l'autre, sont des choses indépendantes les unes des autres et qui ne sont pas forcément partagées. Et la fameuse bureaucratie dont Olivier a parlé aussi, donc des règles, des régulations et des process appliqués uniformément dans toute l'organisation. Donc, ces caractéristiques, elles ne sont pas nécessairement mauvaises ou négatives en soi. Elles ont été établies pour de bonnes raisons, d'ailleurs. Elles correspondent à une approche organisationnelle, dite problem-solving ou problem-solution, qui se trouve être d'ailleurs très efficace pour résoudre des problèmes bien cernés et définis. Par contre, quand il s'agit de faire face plutôt à des enjeux complexes, Olivier en a parlé aussi, merci Olivier, tu as parlé de tout ça, donc comme ceux d'aujourd'hui, le changement du climat, le vieillissement de la population ou la Covid, là, ça devient un peu plus problématique parce que ces enjeux requièrent l'action coordonnée des différents départements d'une mairie. Donc, si on parle de problèmes de changement climat, on a certainement besoin que les départements des transports travaillent avec les départements d'éducation. Mais donc, mince, j'y suis allée trop vite. Donc, le souci, c'est que on a besoin de cette action coordonnée des différents départements, mais aussi avec des acteurs externes, citoyens inclus, mais aussi secteur privé, peut-être d'autres mairies d'autres régions ou même d'autres pays. Alors, lorsqu'une nouvelle équipe, aussi compétente soit-elle, essaye d'exercer le co-design dans un type de structure telle qu'elle, c'est compliqué, ça donne souvent quelque chose comme ça. Un lab, un cluster isolé dans l'un des départements qui tente de faire quelque chose un peu autrement. Donc, d'accord, il faut adapter des structures organisationnelles de nos mairies, mais vers quel modèle? Donc, c'est cette question que je pose.
À quoi ressemble une structure organisationnelle qui facilite l'utilisation du co-design? Et est-ce que toutes les mairies doivent adopter la même? Qui doit décider? Pour mener cette recherche, j'ai conduit des expérimentations en utilisant ce langage visuel très simple et basique, qui est ressorti lui-même des premières conversations dessinées que j'ai eues au début au sein de la mairie de Copenhague. Donc c'est un rectangle, un rond, des formes que la plupart d'entre nous sont capables de dessiner. Et donc j'ai invité des personnes, des fonctionnaires de tous bords et de tous nos niveaux d'hierarchie, déjà intéressés par ces questions au sein de la mairie de Copenhague et de New York City, de répondre à la question « Co-design, où es-tu ?» Où étais-tu et où pourrais-tu être? Donc c'est une traduction un peu, je fais comme j'ai pu de l'anglais, ça sonne mieux. Where is design? Where was design? Where could design be? Donc je les invite à situer, révélé par le dessin, où se pratiquait le co-design par rapport à l'organisation. Donc chacun partait du même langage visuel et rajoutait sa sauce, sa propre perception, ce qui rendait l'exercice encore plus fascinant. Et puis, donc, je les invitais ensuite à s'en servir comme outil de dialogue. Donc, chaque participant produisait trois dessins. Donc, ils mettaient en parallèle leur vision de la situation présente, le now, avec une passée, before, et une souhaitée, ideally. Et celle-ci, que vous voyez, elle est particulièrement éloquente, je trouve. Je vais juste me taire pendant quelques secondes, le temps que vous lisiez les légendes. Voilà, mais donc celle-ci, c'est un exemple, mais il y en a eu plein d'autres que j'ai classés. Alors ça, c'est une façon de les classer, tous celles qui sont maintenant, avant et idéalement. Et donc ça, c'est les résultats, une petite partie des 45 minutes de workshop. Donc c'est trois dessins minimum par personne. Dans ce workshop, il y avait environ 60 participants. Donc ça donne tout de suite un panorama très riche de représentation. Et on voit tout de suite des patterns qui se dessinent. Et donc, l'une des tendances qui est ressortie de mes recherches, c'est que les participants aspirent à plus de désordre, de lien et de circularité. Donc, ça ne doit pas être une grosse surprise pour certains d'entre vous, mais en tout cas, ça a fait beaucoup plaisir à la directrice du Civic Service Design Studio de New York parce qu'elle me disait qu'amener les fonctionnaires à l'idée que le désordre peut être productif, ce n'est pas une chose facile. Après, ça ne veut pas dire que le modèle qui est dessiné là à droite est la réponse. Voici là une typologie de modèles récurrents qui sont sortis du lot. Donc ça, c'est qu'une sélection, il y en a plein d'autres variantes. Mais donc à la question, à quoi ressemble une structure facilitant l'usage du co-design, je pense qu'en fait la réponse ne m'appartient pas personnellement. J'ai plutôt ici tenté de fabriquer une méthode pour l'aborder collectivement. D'ailleurs, j'ai invité essentiellement que des personnes qui étaient internes à des mairies, mais pourquoi pas, je pense que ce serait d'ailleurs très intéressant d'inviter des personnes en dehors des mairies. Des citoyens ou des personnes du secteur privé. Et par contre, mon rôle, c'est peut-être de questionner, peut-être même de provoquer avec des modèles dont les participants ne s'attendraient pas, comme celui-ci, le 8B, que j'ai animé avec une amie designer, ça donne ça. Parce que finalement, très souvent, on avait envie de les mettre en mouvement, ces modèles.
je vais le mettre en loupe et en même temps je vais vous lire ce qu'a dit le chercheur en sciences sociales Roland Janvier, qui a dit en juillet dernier lors d'un débat nommé « Construire les solidarités ». Je trouvais que c'était très juste ce qu'il disait et que ça résonnait bien avec ces images. L'idée, c'est de penser plutôt l'organisation comme un ensemble de nouages signifiants qui viennent construire quelque chose d'un sens commun, d'un sens global de l'organisation. Et ces nouages-là, ils nous permettent de repérer, d'identifier des espaces où il se passe quelque chose de structurant ou de déstructurant pour l'organisation. Dans cette idée-là d'une vision plutôt d'une organisation de forme réticulaire et plutôt observée par ses seuils que par son centre, eh bien, il me semble que la question du dialogue social prend une toute autre tournure. Voilà, j'ai fini. Merci à tous. Merci. On n'a pas vu la vidéo, Fanny. Oh non ! Si, si. Est-ce que tu... Ah oui ! En fait, il faut que tu départages cet écran-là et que tu mettes... Alors, attendez. C'est le clou du spectacle, en plus. Je vais la remettre. Là. Super, ça a marché. Là, merci. Vous voyez la voix. Donc on commence par. Je vais laisser tomber. Donc peut-être une situation au départ. Une situation présente, donc des personnes qui ont envie d'utiliser des méthodes de co-design et qui sont bloquées par des structures organisationnelles contraignantes qui les empêchent finalement de dialoguer avec les acteurs externes à la mairie, citoyens ou autres. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on crée ou modifie un poil les structures qui paraissaient hermétiques? Finalement, est-ce qu'on peut pas penser des ouvertures pour permettre l'utilisation de processus de design de façon plus... pas institutionnalisé, mais presque. J'espère que ça fait sens. Sinon, posez-moi des questions. Je suis là pour répondre. Merci, Fanny. Au début de ta présentation, il y avait la question de la collecte des données et de la collecte du non-verbal et de la reformulation. Mmh. Et du coup, peut-être que ces conversations dessinées que tu as conduites dans tes ateliers ont permis peut-être de justement d'aller chercher le non-verbal. Une question sur les organisations matricielles. Est-ce que tu peux poser cette même question sur tes organisations municipales publiques? Est-ce que tu peux la déplacer et la transférer sur un autre type d'organisation? Oui, je pense, parce que là, je me suis intéressée à des mairies de très grosse taille, Copenhague et puis New York City, c'est encore autre chose. Mais finalement, il y a des très grosses organisations anciennes du secteur privé qui ont le même type de structure. Donc, je pense, oui, ça peut totalement être utilisé dans d'autres contextes. Après, adapté, quoi, pas... copier-coller direct. Et dans les types de projets que le service Design Lab d'Aalborg aurait avec la mairie de Copenhague, est-ce que vous arrivez à collaborer et à proposer des transformations organisationnelles de la mairie de Copenhague, qui du coup, ça fait bien peut-être une quinzaine d'années que
le public action design est réellement opérationnel au Danemark. Ils ont commencé beaucoup plus tôt qu'en France. Est-ce que ça a permis de faire fructifier une nouvelle façon de voir les choses et de mettre en œuvre les politiques publiques? Alors, très bonne question. Il y a eu gros drama pendant mon projet de thèse. Quand j'ai démarré en 2017, le co-design était dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de municipalités au Danemark. Et puis, il y a eu des élections. Et d'un coup, ce n'était pas la seule raison, c'est un peu plus complexe que ça, mais toutes les équipes, les labs, y compris le laboratoire, la maison d'innovation de Copenhague, ont été fermés. Comme ça. Et du coup, les personnes et les méthodes n'ont pas disparu, elles ont été réintégrées de façon différente, mais d'un coup, le mot d'ordre, c'était innovation et plus l'aspect business finalement, disruption qui était important que co-design et dialogue social, ce qui était très étrange. Du coup, on n'a pas allé plus loin avec ça, avec la mairie de Copenhague. Par contre, c'est avec le studio à New York City que j'ai pu aller explorer tout ça un peu plus loin. Mais ça, donc, je suis arrivée à ces conclusions à peine cette année. Donc, mettre en œuvre maintenant faire des expérimentations de différentes structures organisationnelles, ce serait l'étape d'après à franchir, en fait. C'est l'idée. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur le type d'interaction que la New School à New York entretient avec la municipalité de New York City sur la résolution de problèmes? Et quand on pense à New York, c'est la ville, hein, The City. Donc, il doit y avoir une quantité de problèmes et d'opportunités à développer. Donc, comment tu vois les interactions entre les deux institutions? Eh bien, donc je suis allée à New York City par le travers de la New School. Donc c'est le directeur du lab qui s'appelle, donc il est dirigeant du Transdisciplinary Design, le master en Transdisciplinary Design à la New School, qui a aidé à monter le studio Civic Service Design Studio D'accord. au sein de la mairie de New D'accord. York. Donc, il était supporter du projet. Et ce qui est chouette, c'est que le studio est du coup hyper intéressé et ils sont en dialogue permanent avec la New School et puis d'autres chercheurs, en fait, et des étudiants. Ils prennent des étudiants pour continuer, en fait, d'apprendre, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de comment dire, step back et puis apprendre de leurs actions. D'accord. Il y a deux autres questions de Jessica Huneau qui demande si ces schématisations que tu proposes, comment elles peuvent prendre forme concrètement. Donc, du coup, c'est la troisième partie, ce dont tu parlais juste là à l'instant, en disant je suis arrivée à mes conclusions maintenant, et donc du coup, je pourrais peut-être proposer des changements organisationnels en fonction de ces schémas. Et une autre question de Sylvie Chocroune, toujours. Elle appelle ça des représentations désordonnées, justement, pour reprendre ton idée du désordre. Et en fait, elle voudrait savoir si tu les as discutés avec les agents et comment utiliser ou tester et sur quel type de sujet tu testerais ces formes. Est-ce que tu peux répéter la dernière partie parce que c'était en deux parties la question? Ouais, sur quel sujet tu pourrais utiliser ou tester ces représentations désordonnées? Donc, celle-ci par exemple ou Celle-ci, ouais. celle-ci? Cette typologie, ouais. Sur quel sujet? Bah, c'est tout. Il faudrait que je planche dessus avec d'autres personnes justement pour imaginer comment on peut faire des micro-tests de ce type de structure. Parce qu'on ne va pas du jour au lendemain changer
toutes les structures organisationnelles d'une mairie, surtout de ces tailles-là. Mais je pense qu'il y a des mairies qui sont déjà comme ça, organisées par exemple comme la 8B, ou comme j'ai montré dans la vidéo. Je parlais avec des maires de plus petites mairies de France l'année dernière, justement, qui sont rendues visite à Copenhague et qui disaient nous, on fonctionne déjà comme ça. Et je pense que les grandes mairies ont peut-être intérêt à s'inspirer des plus petites, où les choses sont un peu plus organiques et de par leur taille, mais peut-être trouver de l'inspiration par là. D'accord, merci beaucoup Fanny. Je vais laisser Pauline partager son écran. Alors, il faut que tu... Voilà. Super Pauline, nous t'écoutons. Pauline, t'es sur mute. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, super. Bon, c'est reparti. Donc, je m'appelle Pauline Auger, je suis designer d'innovation santé sociale, récemment diplômée de l'École de design interatlantique et donc du Care Design Lab. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon stage de fin d'études que j'ai effectué au sein de la chaire DAPI, Design et Action Publique Innovante, avec Chloé Olivella, également diplômée de la même promo. Nous avons eu l'occasion de travailler sur le co-design et l'action publique innovante et plus spécifiquement de nous intéresser à la problématique suivante. Quels sont les avantages et limites de l'utilisation du co-design au sein de l'action publique innovante? Cette problématique, elle a soulevé deux thématiques. Donc, la première, c'était le possible renouveau de l'action publique innovante grâce au co-design. Et la seconde, l'évaluation des outils et méthodes du co-design en santé au sein de l'action publique innovante. Donc tout ça, ça a soulevé un gros champ de recherche. Nous sommes intéressés plus particulièrement au design participatif, au design de service, au co-design en santé, etc. Et aujourd'hui, je vais plus spécifiquement m'arrêter sur la deuxième thématique, puisque la première a beaucoup été abordée au début de ce séminaire. Donc nous allons nous arrêter sur l'évaluation des outils et méthodes du co-design en santé au sein de l'action publique innovante. Donc, durant ce stage de recherche, on a eu l'occasion de réaliser un état de l'art de matériaux composites, donc de littérature de rapports officiels, de rapports de la DITP, d'agences de design, et de réaliser des lectures critiques de différents auteurs, comme notamment Veller et Palaise pour l'innovation publique, ou Blomkamp et Sanders pour le co-design plus particulièrement. Et donc, on a pu analyser les méthodes et outils utilisés par des agences internationales comme IDEO ou Nesta, des agences plus nationales comme la 27e région, le collectif BAM. Et également, on a eu l'occasion d'interroger les pratiques du Lab Care et donc de nous intéresser plus à tout ça. Tout ceci, ça a mis en tension une notion, la notion de boîte à outils qui apparaissait comme récurrente, c'est-à-dire la création de boîtes à outils standards par des agences de design, de co-design, par des designers également, pour qu'ils puissent être utilisés ensuite par le plus grand nombre. Et ça nous a questionnés quant aux limites de la réplicabilité de ces outils et méthodes. Et donc, ça nous a questionnés sur la question de la standardisation. Cette standardisation, elle a des points positifs, puisqu'elle permet la vulgarisation des méthodes de design et de co-design. Elle permet de donner une plus grande portée à cette démarche et d'être développée notamment dans des milieux où les designers sont absents, où le design est absent dans un premier temps, et elle rend également ces méthodologies assez reproductibles. Cependant, on les a mis en parallèle avec différentes notions, par exemple le raisonnement spécifique au design, qui est le raisonnement abductif. Ce raisonnement, c'est un raisonnement qui consiste à inférer des causes probables à un fait qu'on va observer. Donc ça veut dire qu'on va interroger les faits empiriques, donc l'observation, et qu'ensuite, on va procéder par un processus de formation d'hypothèses exploratoires pour utiliser la théorie va venir enrichir ces données du terrain pour arriver ensuite à une conclusion, un résultat, une validation de concept. Donc on s'aperçoit ici que le doute, il est central dans cette démarche.
et qu'on va utiliser des outils tout au long de ce raisonnement qui vont évoluer en fonction de ce raisonnement et qu'on s'aperçoit que la standardisation des outils, elle va venir couper ce cycle de raisonnement en abduction. Ce doute qui est la remise en question qui est centrale, elle se fait notamment grâce à un autre processus qui est l'itération. Donc, le processus itératif, c'est le fait de procéder en approximation successive et de répéter un raisonnement. Donc, en fait, ça fait que les outils vont évoluer graduellement et on se rend compte une nouvelle fois que la standardisation, elle va venir bloquer ce processus itératif. De manière plus pratique, on se rend compte qu'un contexte, ce n'est ni plus ni moins que l'ajout de différents critères et que chacun des contextes est spécifique et que donc la création d'outils standards ne va pas répondre à des contextes spécifiques et globaux. Et donc, la création d'outils sur mesure semble nécessaire ici. Et puis, on peut néanmoins s'interroger sur la transférabilité qui semble possible sur des terrains qui sont cependant similaires. Et donc, tout ceci, ça nous a amené ce sur quoi nous sommes ensuite interrogés pour créer un ADAPT, qui est un méta-outil qui vient questionner cette standardisation des outils de co-design et qui vient inciter à affiner la réflexion autour du sujet d'étude pour créer des outils qui soient réellement spécifiques au contexte dans lequel ils s'inscrivent. Donc cet outil ADAPT, il permet de déterminer des critères spécifiques au contexte dans lequel l'outil s'inscrit pour ensuite pouvoir l'adapter afin qu'il devienne unique et plus pertinent. Il fonctionne, il invite à se questionner autour de 5 interrogations. La première, c'est quel est le stade du projet dans lequel est utilisé l'outil. Puis on va s'interroger sur la finalité attendue la finalité attendue de l'outil, les moyens utilisés par l'outil pour y parvenir, la tonalité qu'on va lui donner et l'intelligence plus spécifique à laquelle on va faire appel. Donc, si on prend ce méta-outil de manière plus globale, il va accompagner tout le processus de création d'outils de co-design qui sont utilisés lors d'ateliers ou de projets. On va pouvoir venir sélectionner un outil standard dans la même démarche que la démarche précédente. Et puis, on va être poussé à passer par une étape d'analyse du contexte, de remise en question de manière collaborative à l'aide d'enquêtes sur le terrain, d'interviews, de rencontres. Tout ça, ça pousse à affiner les problématiques et à déterminer des critères spécifiques auxquels l'outil doit répondre. Ce qu'on va pouvoir définir sur ADAPT, ce méta-outil qui permet la sélection de ces critères. Ensuite, ce méta-outil, il ne propose pas d'outils directement adaptés, mais il va venir interroger la personne pour qu'elle remette en question son outil et crée réellement un outil unique et spécifique à son contexte. Cet outil va ensuite pouvoir être utilisé et évalué toujours grâce à ces critères présélectionnés. Donc, si on resserre, ici, on peut voir l'outil tout vert et les différents critères qu'il propose. Il fonctionne donc en 5 étapes, en 5 catégories. La première, c'est le stade. Le stade, ça correspond aux différentes étapes méthodologiques d'un projet de design. On a donc ici l'engagement, le diagnostic, l'idéation, l'expérimentation et l'évaluation. On va ensuite pouvoir définir l'objectif ou la finalité attendue de l'outil. Ici, en fait, on peut voir différents premiers critères qui correspondent. Ce premier panel, il a été répertorié grâce à l'analyse de différents outils de co-design d'agences de design, d'articles de recherche ou d'outils utilisés au LabCare. Donc, ce n'est qu'un premier panel de propositions. On a par exemple ici des objectifs de prévention, comprendre les besoins, classer les idées. Enfin, on va pouvoir définir le moyen par lequel l'outil va y parvenir. Donc, de la même manière, on a défini un premier panel de propositions qui seraient donc par exemple l'empathie, la confrontation, la fiction, l'expression plastique, etc. On va pouvoir venir affiner tout ça en sélectionnant la tonalité, c'est-à-dire le ton qu'on va donner à l'outil pour toucher les différents acteurs des ateliers. De la même manière, on a défini un premier panel. On y retrouve des critères tels que dynamique, ludique, agitateur, empathique. Et en dernier lieu, on va pouvoir définir l'intelligence plus spécifique à laquelle on va pouvoir faire appel. Donc, cette catégorie, elle fait référence à la théorie des intelligences multiples de Gardner, définie en 1983 et revue en 1993. Cette théorie, elle est utilisée dans de nombreux établissements scolaires et encore aujourd'hui beaucoup en animation. Donc, il propose 8 typologies d'intelligence
Pour lui, il définit l'intelligence comme une capacité ou un ensemble d'aptitudes qui permet à une personne de résoudre des problèmes, pardon, ou de concevoir un produit qui sont importants dans un certain contexte culturel. On a ainsi 8 différentes intelligences existentielles, linguistiques, logico-mathématiques, spatiales, intrapersonnelles, interpersonnelles, naturalistes et musicales. Je pourrais revenir sur les définitions si vous voulez, mais elles sont aussi toutes proposées sur Internet, donc facilement accessibles. Donc ensuite, une fois tous ces critères sélectionnés, ça va nous donner un profil d'outils. Ce profil d'outils, il recense les différents critères qu'on a sélectionnés auparavant. Et donc, il ne va pas permettre de proposer un outil directement, mais il va enclencher un processus de réflexion sur comment est-ce qu'on peut adapter l'outil pour qu'il réponde au mieux à ces critères. Et dans un deuxième temps, ce même cercle devient cercle d'évaluation pour évaluer l'outil une fois utilisé par les mêmes critères sélectionnés avant. Pour ancrer un peu tout ça dans le réel, je vais vous expliquer comment on aurait pu l'appliquer pour un projet donc de recherche de la chaire d'API autour de la désertification médicale réalisée au pays de Pouzauges. Donc, ces ateliers ont été réalisés avant la création de ce méta-outil, mais on peut imaginer comment ce méta-outil aurait pu être utilisé. Donc, nous travaillions sur la désertification médicale et devions réaliser des ateliers de co-design autour de ce sujet. Donc, ce pourquoi nous avions sélectionné notamment le parcours usager, qui est une manière chronologique de décomposer les différentes étapes du parcours des usagers et qui était ici très intéressant pour analyser, comprendre les besoins tout au long du parcours de santé. Ensuite, une analyse du contexte a été menée plus spécifiquement durant une semaine d'entretien et d'enquête sur le terrain, qui a permis d'affiner les problématiques. Nous nous sommes rendus compte que la problématique centrale était le manque d'accès aux soins, mais ça a permis de montrer que ce sujet était extrêmement conflictuel sur le territoire et qu'il faudrait que notre outil soit spécifiquement adapté à ces conflits pour pouvoir pallier. Pardon. Donc, en fonction de combien on avait affiné la problématique grâce à l'analyse du contexte, on aurait pu utiliser ADAPT. Nous étions ici au stade de diagnostic puisque notre objectif était de comprendre les besoins au niveau de la santé. Le moyen que devait utiliser l'outil était l'empathie pour répondre à ces conflits très forts au niveau du sujet de la santé. Et tout en utilisant une tonalité dynamique pour éviter que les conflits apparaissent et en utilisant l'intelligence interpersonnelle qui est une intelligence permettant d'entrer en relation avec les autres, qui permet de comprendre les autres et qui permet l'empathie et la coopération, qui permettait ici de comprendre les besoins de santé de chacun. Donc ça nous aurait donné le profil ici qu'on a à côté avec les différents critères, nous poussant ensuite à adapter notre outil pour qu'il réponde réellement à ces critères et donc au contexte dans lequel on s'inscrivait. Cet outil a donc pu être adapté. Donc l'outil parcours usager est devenu l'outil parcours de santé de Pouzauges. Sur le parcours usager directement, nous avons ajouté deux cercles émotions qui permettaient aux personnes de se positionner de manière émotionnelle par rapport à leur parcours de santé. Et nous avons ajouté à ce parcours usager des personas anonymes qui correspondaient aux différentes typologies de personnes qui avaient pu être rencontrées durant l'enquête l'enquête terrain qui avait été menée pendant une semaine à Pouzauges, qui permettait en fait aux usagers non plus de remplir leur propre parcours, mais de réfléchir au parcours de ces personas types, et donc ici de faire marcher totalement l'intelligence interpersonnelle, de se mettre à la place des autres pour comprendre leurs besoins et éviter les conflits, puisque personne ne faisait remonter ses propres problèmes, mais on essayait de comprendre les besoins de chacun. Ces ateliers ont été menés, les participants étaient rassemblés par groupe de 4 personnes pour avoir différents profils et permettre une certaine dynamique. Et donc, cet outil aurait pu être évalué de la manière suivante, grâce au même cercle d'évaluation des outils. On voit ici que cet outil a bien permis de comprendre les besoins grâce à l'empathie et surtout à l'intelligence interpersonnelle que nous avons ici sollicitée, mais qu'il manquait quelque peu de dynamisme. Ce qui est intéressant ici, c'est le fait qu'on puisse améliorer les outils en fonction de l'évaluation précédemment produite et qu'on puisse être sur l'idée d'amélioration continue, pourquoi pas pour réutiliser cet outil ou le transférer sur un terrain similaire. On peut
néanmoins s'interroger quant à la limite, quant au faible nombre de critères ici que l'on propose. C'est pourquoi ce méta-outil va être incubé pendant un an au Care Design Lab, un an pendant lequel deux promotions d'étudiants designers vont pouvoir analyser les outils qu'ils utilisent et qu'ils créent, les outils d'atelier de co-design ou de projet de fin d'études, pour récupérer un très grand nombre de critères et pour soumettre ce méta-outil à la réalité des outils également, pour voir si ça fonctionne et ce qu'on peut en tirer. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute. On tenait à remercier la chaire d'API, puisque ce stage de recherche nous a beaucoup appris et nous a donné envie de continuer également dans la recherche. Personnellement, c'est quelque chose vers quoi je veux me diriger également, pourquoi pas avec l'association Signe de Sens très bientôt. Et donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce sujet qui nous a passionnés. Vous avez ici nos deux adresses mail pour nous contacter. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour ta présentation des résultats du stage et puis de la mission qui a suivi pour développer cet outil qui sera du coup effectivement. On va continuer à le tester pendant un an pour voir si ça fonctionne réellement et on le présentera également le 9 juin entre 9h et midi et il sera testé de façon à en éprouver également les atouts, les limites toujours et voir comment il pourrait être améliorer, transformer, évaluer en fonction des retours qu'on aura. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de le présenter. Je connais trop bien ton sujet, donc je n'ai pas de questions. Mais peut-être que Fanny, Olivier et Bassem auraient des questions. Oui, bien sûr. Avec la 27, on a vu arriver des consultants sur le terrain du design et innovation publique. On a vu des trucs. Enfin, je ne donnerai pas des noms de grandes boîtes qui ont acheté des agences de design pour venir faire des trucs. Et bon, on trouve que c'est pas adapté, quoi. Et je trouve que cet outil est vachement intéressant, mais c'est un outil pour designer. Enfin, je veux dire, il faut déjà un niveau de culture hyper élevé, quoi. Moi je connais plein de, y compris de responsables de lab qui sauraient pas trop quoi en faire, parce qu'il faut un niveau de culture quand même vachement haut, quoi. Mais après c'est vraiment très intéressant. Enfin, c'est un outil, je trouve que c'est un outil pour les designers qui doivent se colter avec la réalité de l'action publique et notamment des enjeux vous savez, moi je dis toujours, il n'y a pas que l'usage, quoi. Les gens, ils ont un imaginaire, ils ont des opinions, et puis ils ont un usage, quoi. Et là, c'est bien, mais il faut quand même, faut un niveau, quoi. Non ? C'est comme ça que ça a été conçu ou pas ? Bah, l'idée, c'était de pouvoir vulgariser au maximum, de juste pouvoir expliquer la méthodologie de design et de pouvoir ajouter cet outil au milieu pour montrer que ces outils, pour qu'ils soient adaptés, on avait aussi besoin du designer à un certain moment. Et pouvoir montrer que c'était pas, qu'on ne pouvait pas utiliser un outil standard juste comme ça et avoir des résultats derrière, mais qu'il fallait vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on le spécifiait au contexte pour en obtenir quelque chose. Et que ce n'était pas un outil magique, un outil standard non plus. Mais justement, je le vois vraiment comme utile pour les designers qui galèrent à montrer, à découper qu'est-ce qu'ils font quand ils créent un outil ou quand ils en adaptent un, et pour rendre compte, comme disait Olivier, rendre compte parfois aux hiérarchies supérieures de ce qu'ils font, ou la question de l'évaluation qui est tout le temps posée aux designers en service public, dans le secteur public. Donc je trouve que ça doit être sont très, plus utiles pour finalement les designers que des novices dans la matière. Oui, d'accord, merci. Dans la mesure où, en fait, en France, il y a en ce moment plusieurs projets de recherche qui sont lancés à l'IEP de Lyon, par exemple, en partenariat avec Saint-Étienne. Il y a la chaire NANC également, qui travaille sur ces questions de transformation publique par le design et le rôle du design dans l'action publique. Dans la mesure où
ces réflexions existent déjà ailleurs en France. À Nantes, le parti qu'on prend, c'est quel est le rôle des designers dans l'action publique et donc comment on ouvre la boîte noire du travail de design en le décomposant et sans avoir comme objectif la finalité qui reste celle du CNFPT de formation des agents qui vont faire du co-design dans la construction des politiques publiques. Voilà, c'est pour te répondre, Olivier, sur le côté... En fait, on n'a pas vocation à former les agents territoriaux. Moi, quand je forme les agents territoriaux, je leur apprends surtout à savoir ce qu'ils sauront faire et ce qu'ils ne sauront pas faire. Il y a des étapes que de toute façon, enfin, même moi, après 10 ans à passer auprès des designers de politique publique de ce pays, sur lesquels je suis encore novice, quoi. Et donc, eux, ils n'y arriveront pas, point. Moi, j'essaie de leur faire prendre conscience de ceux avec quoi ils sont à l'aise et ceux qui ne sont pas, et surtout que s'ils ne sont pas, qu'ils ne le fassent pas, quoi. Donc, c'est pas le problème. Non, surtout, c'est que l'outil est vachement... pour le coup, il me bouffe une partie de mon boulot, parce que ça m'arrive souvent de travailler avec des designers qui m'emmènent sur un projet, parce qu'au bout de 3 jours qu'ils passent à essayer de comprendre ce qu'on leur demande, ils me disent « tu veux pas venir un jour ?» Et puis je viens dans la collectivité, et puis à la fin, je leur décrypte en fait ce qu'on leur demande, parce qu'ils n'ont pas compris. Et là, c'est une façon pour eux de construire une solution, de présenter un truc assez rapidement finalement à leur donneur d'ordre pour que le débat s'enclenche, quoi. Parce que des fois, enfin, moi j'ai vu des agences qui pendant 3 jours, 4 jours n'avaient toujours pas compris pourquoi ils étaient là, quoi. Bassem, vous voulez réagir? Désolé, je me suis absenté à un moment, j'ai un coup de fil urgent, donc je l'ai pris, je l'ai traité et me voici. Non, moi j'avais juste un point en fait qui me paraît intéressant par rapport à tout ce qui a été dit et qu'on n'a peut-être pas suffisamment creusé, mais qui serait intéressant à creuser à l'avenir, c'est cette idée d'amélioration continue. Quand on design un équipement ou un service public ou quelle que soit la politique publique dans laquelle on est, le fait de le proposer, concevoir quelque chose, le réaliser, le mettre à disposition, et se dire qu'une fois qu'on l'a mis à disposition, nécessairement, ça peut, dans le cadre de l'utilisation normale d'un équipement, par exemple, ou d'une norme, ou d'une politique, ou quel que soit le sujet, dans le cadre de l'utilisation, on peut aussi avoir des retours d'usagers qui peuvent permettre d'améliorer. Et donc, cette idée de feedback loop, en gros, cette idée d'amélioration continue, dans quelle mesure c'est vraiment faisable dans le cadre de l'action publique. Alors évidemment, quand on a modifié une place comme la place de la Petite Hollande, donc on a installé un équipement comme, je ne sais pas moi, les futures trams, les nouvelles rames de tramway de Nantes, bon, bah, évidemment, le feedback loop et l'amélioration continue, c'est un peu plus compliqué que si c'était quelque chose de plus immatériel, on va dire. Mais ceci dit, cette dimension de... Cette prise en compte du retour de l'usager une fois que l'objet qu'on a conçu est mis en place, ben je pense que ça, c'est quelque chose qui mérite d'être creusé, de voir comment on peut concevoir quelque chose, non pas en partant d'une page blanche, mais vraiment en partant de quelque chose de déjà conçu, déjà réalisé, le feedback loop et le côté agile en fait, dans la prise en compte de tout ça. Les bibliothécaires, enfin dans le monde de la médiathèque, qui est un des mondes le plus en avance sur la question de l'innovation publique, il y a des travaux qui sont menés là-dessus, notamment parce que qu'avait fait la 27 dans une petite commune a vraiment bougé tout le monde à l'époque, et ils sont beaucoup beaucoup à s'intéresser à ça à l'École nationale supérieure des bibliothécaires et l'INET, puisque les bibliothécaires sont au même endroit, quoi. Donc là, il y a des trucs qui se font déjà de façon assez puissante sur ces questions-là, ouais. Mais par contre, pas trop sur le reste. Euh,
Je suis effectivement, c'est hyper intéressant, Bassem, de ramener à la question de l'amélioration continue et comment on évalue tout ce qui se passe dans une perspective de performance au service du public pour améliorer de façon plus durable possible les actions. Je crois que dans les tests, les expérimentations qu'on a conduites au sein de la chaire et auxquelles Pauline a participé, c'est comme ça qu'elle a extrait cette question d'un méta-outil qui permettrait en fait l'ajustement à chaque fois à un contexte spécifique provient de problématiques qu'on a à CARE en dehors de la chaire sur d'autres projets qui touchent d'autres sujets et parfois des acteurs industriels. Et donc, en fait, c'est le va-et-vient, par exemple, dans le cas de Pauline, qu'elle a dû faire entre un acteur industriel de la santé sur l'amélioration de la promotion de la santé auditive, par exemple, qui est un enjeu de santé publique aujourd'hui quand on sait les conséquences sur les maladies neurodégénératives, et en même temps, le va-et-vient qui a dû être fait dans l'action publique. Et en fait, c'est, je pense, la position très intéressante des designers qui peuvent passer effectivement du monde privé au monde de l'entreprise et de se dire comment on fait mieux pour tous le mieux possible. Enfin, je ne sais pas si Pauline, tu seras d'accord avec mon interprétation. Oui, c'était cette idée d'évaluation qui ressortait aussi. Et on s'est vraiment interrogé sur quels critères d'évaluation on pouvait faire ressortir, puisqu'on est vraiment sur des sujets à chaque fois totalement différents et qui ont une portée très, très complexe et très globale, comme les sujets qu'on doit traiter et comme les sujets qui sont traités en innovation publique. Et on s'est vraiment penché sur cette question d'évaluation. Et il y a vraiment très peu de choses de faites. Et c'est très complexe de lier innovation et évaluation dans le domaine de l'innovation publique. Et c'est ce à quoi, ici, on essayait de lancer une interrogation quant à ce questionnement sur l'idée de est-ce qu'on peut les évaluer tous ces outils, au final, tous ces projets qu'on va faire en fonction de critères spécifiques à chacun de ces projets. Est-ce que c'est vraiment une évaluation spécifique? Est-ce qu'on doit rester sur une évaluation globale, sinon très, très carrée, et lancer cette interrogation à ce sujet-là, et nous, on s'est plutôt approprié le sujet sur une évaluation qui devrait être spécifique et réfléchie depuis le début du projet. C'était pour ça aussi qu'on essayait de créer ce méta-outil pour qu'il apparaisse dès le début du projet, pour qu'il suive du début à la fin du projet et permette une évaluation continue, toujours dans cette idée d'amélioration continue ensuite. Oui. Et peut-être que Bassem, vous avez des réponses par rapport à cette évaluation, par rapport à l'innovation publique aussi, parce que c'est sur ça qu'on s'interrogeait. Je dois vous faire un aveu, je ne sais pas si je dois faire ça en public, mais en fait, je compare souvent ce dont on parle là dans le domaine de l'action publique avec ce qui se passe dans mon métier à moi, qui est celui de l'édition de logiciels. Et vous êtes peut-être rendu compte que j'ai parlé de matériel et d'immatériel. C'est vrai que quand c'est quelque chose d'immatériel, c'est extrêmement simple de faire la conception, d'ajuster au fur et à mesure qu'on avance, de faire le côté, le feedback loop, etc. Et donc, d'améliorer les choses de manière continue. Et quand on parle d'action publique, c'est très rarement le cas, même si l'idée est là, mais l'échelle de temps n'est pas la même. Parce que, évidemment, quand on installe un gymnase ou quand on modifie l'espace public, bon, bah, c'est plus compliqué que de rajouter 3 lignes de code dans un logiciel, évidemment. Mais ceci dit, l'idée reste la même, et je pense que dans l'idéal, il faudrait pouvoir de manière continue évaluer ce qui est fait, ce qui est utilisé, et pas seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue usage, de manière à ce que ce qu'on réalise, ce qu'on met en place, que ça soit du service, donc la façon d'accéder à des guichets par exemple, ou que ce soit des équipements beaucoup plus hardware comme des rames de tramway ou des choses comme ça, bah, que ça puisse être amélioré au fur et à mesure qu'on avance. Et on l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire, à partir du moment où il y a une crise qui survient comme ça, bah, évidemment l'évaluation des fonctions disponibles dans une rame de tramway, elle est faite rapidement, adaptée rapidement. C'est comme ça, par exemple, qu'on a supprimé une place sur deux dans certains équipements. C'est comme ça qu'on a rajouté
vous savez, les outils pour le gel hydroalcoolique dans certains équipements. Et ça, on l'a fait parce que c'était une crise et on a dû le faire rapidement. Mais dans le fonctionnement habituel des choses, il faudrait qu'on arrive aussi à pouvoir améliorer les choses comme ça de manière peut-être pas radicale, parce que c'est pas évident, mais autant que possible. Voilà, moi, ça fait partie des questions que je me pose, parce que autant c'est facile de se dire quand je conçois quelque chose, je le conçois avec le citoyen qui est le futur usager, mais comment je fais pour améliorer les choses quand elles sont beaucoup plus rigides et beaucoup plus difficiles à améliorer. Alors, on a essayé des petites choses qui sont un peu complexes à organiser, mais de l'évaluation participative, c'est-à-dire qu'on a pris une politique publique, je pense à une en particulier en 2013-2014, celle des classes, zut, quel était le terme, celle de l'ouverture ou pas des classes le mercredi, et donc l'aménagement du temps, des rythmes scolaires, qui était à l'époque une vraie question innovante qui avait été mise en place, et ben il y a une évaluation participative qui a été faite de manière à pouvoir l'adapter. Donc l'action publique, quand c'est pas du hardware et que c'est du software, bah potentiellement ça peut être amélioré assez facilement. Et bon, là à ce moment-là, l'évaluation participative, c'est-à-dire y compris avec des enfants qui bénéficiaient ou subissaient, ça dépend où on se place, cet aménagement du rythme scolaire. Eh bien, ça a donné lieu à quelques aménagements. Alors, globalement, c'était une bonne chose, le nouvel aménagement, mais il fallait ajuster par rapport à des âges et par rapport à des horaires de début, des horaires de fin. Donc voilà, quand c'est du soft, c'est facile à adapter. Quand c'est du hardware beaucoup plus structurant, bon, ben, c'est un peu plus compliqué. Quand j'avais monté un lab dans une collectivité qui est partenaire de la chaire, on avait inventé à l'époque avec mon ami Jackie Fouché qui faisait la transfo de la 26e région le concept du RER, du retour en réalité, c'est-à-dire le truc où tu obliges un directeur ou un une fois par mois à aller sur le terrain incognito, hein, pas avec un staff de 30 personnes derrière et sans trop prévenir, et pour voir quoi, juste pour avoir ces boucles de feedback. Et on l'avait testé, et, y compris avec un élu qui connaissait son dossier par cœur, et on l'avait emmené dans une gare, donc je cible un peu l'élu en question, et il avait été étonné parce qu'il avait pu voir quoi. Il avait appris plein de choses sur l'argent qu'on lui faisait dépenser, avec lequel il était finalement pas, enfin on aurait pu faire autrement. Donc en fait, il y a des dispositifs assez souples qui permettent de le faire, parce que c'est plus une posture qu'autre chose de se dire tiens, si je pensais à aller voir comment ça se passe, et pas d'un moment, enfin pas se dire tiens, il y a un accident et donc on va le gérer. Donc, par exemple, le département de Loire-Atlantique, pour prendre un autre partenaire de la chaire, il travaille sur les toilettes des collèges. Ça, c'est un vrai sujet, ça. Les vrais gens, enfin, c'est les vrais problèmes des vrais gens, quoi. Et ils n'ont pas attendu qu'il y ait un problème. Et ça, c'est l'évaluation d'une situation qui ne va pas. Et on peut arriver à faire quelque chose de bien en se disant, tiens, une fois par mois, je vais dehors. C'était le sens d'une proposition de Sylvie Chocroun qui disait voilà, est-ce qu'on peut envisager des visites inspirantes, là pas pour les élus, mais pour les usagers, quand on les fait répondre à des panels citoyens ou dans le cadre du dialogue citoyen. C'est vrai que c'est quelque chose, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est régulièrement utilisé, notamment par exemple avec c'est ma collègue Cécile Bire qui était en charge de ça, qui est toujours en charge de ça. On a fait quelque chose qu'on a appelé les plans paysages et patrimoine, c'est-à-dire qu'il fallait identifier, et là vous voyez que du coup on parlait de hardware et software, là pour le coup c'est vraiment software, il fallait identifier dans certains quartiers de la ville, progressivement sur l'ensemble des quartiers de la ville, les lieux qu'il fallait préserver parce que ça constitue un paysage spécifique ou un patrimoine spécifique. Et pour le coup, bien plutôt que ce soit les services techniques qui établissent une liste et qui l'envoient à l'élu qui met le tampon et puis voilà, on s'est dit qu'il valait mieux que ce soit fait par des citoyens. Donc il y a des gens qui s'intéressent au paysage et au patrimoine dans leur quartier, 5, 6, 7, 10 personnes. Et donc ils font une balade dans l'endroit qu'il s'agit d'évaluer et d'analyser. Ils identifient un certain nombre de lieux
pour lesquels il y a du paysage et du patrimoine qui méritent d'être préservés. Et donc, au final, au bout du processus, ça aboutit à une modification du plan local d'urbanisme qui est désormais au niveau métropolitain en ce qui concerne Nantes. Et donc, ça permet, dans le cadre d'un texte qui a force de loi, en quelque sorte, et qui permet donc de préserver ces lieux qui ont été identifiés à un moment lors d'une balade. Alors, ça peut paraître un peu ridicule pour les gens qui regardent ça de loin. Balade, OK, on ne va pas faire en sorte que les gens se baladent pour faire de la démocratie. Et pourtant, si, il faut y aller, il faut voir les choses en face, et il faut avoir l'avis du citoyen, pas juste du technicien, pas juste de l'élu, du citoyen, qui disent, eh ben, voilà, dans le cadre de cette balade, on a vu telle et telle chose qui mérite d'être préservée, et donc c'est inscrit dans la loi. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Et ce qui aussi permet de rebondir avec la proposition de Fanny de regarder comment le co-design est intégré dans des mairies et comment les agents voudraient l'utiliser et comment ils le dessinent. Une participante du webinaire propose de dire qu'en fait, ça permet de ne pas se sentir déviant. Et du coup, je me demande, dans le panel des personnes participant aux ateliers Conversations dessinées que tu as menés à New York et à Copenhague, est-ce que tous étaient sortis d'un sérail sciences politiques, sociologie, économie, ou ils arrivaient parfois de milieux comme le design, par exemple, ou l'architecture, ou d'autres types de formations? Oui, et d'ailleurs, je pense qu'il y avait bien plus de personnes à esprit déviant que autre dans les workshops que j'ai menés. Il y avait autant des designers, donc employés designers avec un background designer de design employés par la mairie, que des fonctionnaires qui viennent aux États-Unis, ils appellent ça community community organizing et donc des gens qui sont formés à comment gérer ou travailler avec des communautés de gens et qui en fait font du co-design sans vraiment le savoir et puis j'ai parlé aussi avec des gens qui n'avaient rien à voir avec tout ça, qui avaient un background en ingénieur et qui finalement étaient aussi intéressés par ces questions-là. Qu'est-ce que je veux dire? Mais et ben, vraiment, ce truc de... Il y a plein de gens, en fait, qui font intuitivement du co-design et qui ne savent pas que c'est du co-design, et amener un studio là-dedans de designers formés en design qui connaissent, par exemple, comme Pauline, qui sont capables de décomposer de façon hyper précise et avec un certain vocabulaire les outils qu'on utilise, les approches et tout ça, ça permet en fait de crédibiliser ce que les autres font et de les rendre aussi plus visibles et moins reprendre le mot déviant du coup. Donc ça peut être ça aussi le rôle d'avoir une équipe de designers formés en design dans une mairie, parce qu'ils permettent finalement de rendre visible des procédés, des approches qui sont déjà en pratique au sein des mairies, mais qui sont complètement invisibilisées ou pas facilitées à cause de toutes les autres procédures qui sont déjà en vigueur, en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. L'agence dont tu parles, c'est Polémi. L'agence à New York. Bah, tu as mentionné une agence qui s'appelle Polémi. Non, oui, ça existe, Polémi, mais ça, c'est un laboratoire de recherche à Milan. Non, je parlais de Civic Service Design Studio. Oui. Et ils sont civicservicedesignstudio.com. On les trouve
Il y a une autre question là d'Isabelle qui demande si le co-design serait l'enfant issu de rigidité organisationnelle dans les études de cas que tu as menées. Et est-ce que pour pallier à ces rigidités de silo, les agents de la fonction publique utilisent le co-design un peu sans le savoir pour améliorer les choses? Quand tu dis ils le font sans le savoir, est-ce que c'est une réaction pour transformer positivement leur action? Est-ce que je pourrais avoir le début de la question? Elle commence par dire, est-ce que le co-design est l'enfant de rigidité organisationnelle? Et l'enfant de rigidité organisationnelle. Je ne comprends pas. Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu le cas dans la mesure où, justement, une rigidité dans une organisation fait que c'est par silo, que les gens n'arrivent pas à travailler ensemble et que si on lance une initiative de co-design, on force un peu le destin et on pousse les gens à sortir des silos, même si tout dans l'organisation fait que chacun doit rester dans son silo. Et en fait, ce qu'on dit là sur les organisations publiques est aussi vrai dans les organisations privées. Moi, mon expérience, elle vient plus du privé que du public. Le public, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 6 ou 7 ans quand j'ai été élu la première fois. Mais dans le privé, il y a exactement la même chose. C'est des choses que je rencontre, mais au quotidien, mais plusieurs fois par jour, quelle que soit la taille de l'entreprise, sauf les entreprises qui sont encore suffisamment petites pour être justement pour ne pas avoir de silos. Mais en réalité, je pense que eux aussi, c'est pas je pense, c'est je le vois aussi dans le secteur privé, tout comme c'est le cas aussi dans le secteur public, si on n'impulse pas une initiative qui incite les uns et les autres à sortir du chemin de fer sur lequel ils sont, qu'on leur impose finalement la plupart du temps, ou qu'ils s'imposent à eux-mêmes parfois, ça ne marche pas. Et pour le coup, une initiative comme celle des initiatives comme celle que Fanny a décrite, ça permet justement de sortir du silo et forcer le destin un peu. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas... Est-ce qu'on est obligé de garder les silos? Est-ce que c'est vraiment la seule façon d'être une organisation aussi grande soit-elle pour faire face à ce qu'on fait? Parce que par exemple, j'étais allée voir aussi en Angleterre GDS, Government Service. Non, GDS. Taper GDS sur gds.uk et eux en fait ils ont fait ce travail de du coup là je vais pouvoir être un peu plus concrète ce travail de repenser la façon dont on divise le travail, la division du travail dans une organisation publique et c'est plus le département des transports, le département de l'éducation, c'est des équipes, par exemple, l'équipe création de contenu ou l'équipe... c'est une manière finalement plus horizontale, pas par thème comme transport, éducation, mais par... processus plus peut-être. Par... Pardon ? Par processus, peut-être. Oui. Il y a des... une façon. Il y a des façons d'essayer de casser les silos. Je sais que Google, pendant longtemps, ont essayé de... Et ils sont plutôt parvenus. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment, c'est un peu, Fanny, ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois que vous avez utilisé l'expression « disorder », donc mettre le bazar un peu dans tout ça. Le problème, c'est que ce dont on parle, ce sont des organisations. Donc, dans le mot même qui les qualifie, organisation, de fait, elles sont organisées. Ça peut être organisé comme ça ou comme ça ou comme ça. À un moment, pour créer un peu d'innovation ou de créativité, il faut mettre le bazar dedans, pour ne pas dire autre chose. Et donc, désorganiser l'organisation. Mais ce n'est pas évident. Il faut qu'il y ait des managers qui soient capables d'oser ça, en fait. Et c'est risqué. Mais je crois qu'ils osent déjà et c'est déjà... C'est déjà en action parce que sans doute que vous-même, dans votre pratique, vous avez fait des choses. Il y a cette expression en anglais « below the radar », en dessous du radar. Donc, il y a la structure avec les silos et puis il se passe des choses sur un autre niveau. Et on peut imaginer aussi finalement la structure en 3D. Où on a une base et puis mais comment est-ce qu'on peut consciemment
et de manière plus visible, permettre cet autre niveau d'exister et pour en tirer plus de bénéfices finalement. J'ai un exemple très précis de quelque chose qui a commencé below the radar et qui a fini par être une des initiatives dont je suis le plus fier dans ce que moi j'ai pu faire avec les équipes de la ville dans le dernier mandat, donc le mandat qui s'est terminé en juin 2020. C'est quelque chose qu'on avait appelé les 15 lieux à réinventer. Et en fait, c'est en gros, pour résumer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'était des lieux qui existaient dans la ville, qui appartenaient à la municipalité, qui, il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, en fait, quand ils sont vides, quelqu'un à la municipalité aurait dit, bah, tiens, on va mettre tel service dedans ou telle association dedans, ou des choses comme ça. Bon, on aurait occupé cet espace ou alors on aurait vendu peut-être l'espace, etc. Et là, plutôt que de faire ça, on s'est dit, autant laisser les habitants dire, voilà ce que nous inspire ce lieu. Et parmi les lieux, il y avait les bains-douches dans le centre-ville de Nantes, il y avait une chapelle, une ancienne église désacralisée, il y avait des lieux comme ça. Et donc, ce qu'on a dit, c'est laissons les citoyens dire ce que leur inspire ces lieux et laissons des citoyens proposer des projets et laissons des citoyens voter pour qu'un projet soit réalisé dans un lieu. Et donc, on a eu 7000 votants. Alors, c'est vrai que 7000 sur 300 000 habitants, ce n'est pas beaucoup, mais on a quand même eu 7000 votants qui sont intéressés à affecter un projet à chacun de ces lieux. Et désormais, ces lieux sont utilisés par des porteurs de projets qui n'étaient même pas des associations avant. C'était juste des individus qui se sont organisés ensemble pour porter ce projet, le réaliser. Et tout ça a été fait sous le radar d'une certaine façon. Et autrement, on n'y serait pas arrivé parce que ça impliquait à la fois des finances, à la fois le service des bâtis qui gère les bâtiments de la ville, le service des espaces verts, un paquet de services qui sont organisés par silo naturellement. Mais on a forcé le destin en se disant, faisons quelque chose de très transversal, une sorte d'équipe commando qui a réussi à livrer ce projet-là, ces projets-là, parce qu'il y en avait 15, avec l'aide des citoyens. Donc, je suis d'accord avec vous, parfois les choses peuvent commencer sous le radar et finir par devenir une règle classique et réussir à forcer le destin. Et en fait, cette initiative Below the Radar a permis de renforcer la légitimité d'une action transversale. Ça pourrait être intéressant, Fanny, en juin prochain, peut-être de profiter de je t'enverrai une documentation peut-être pour que vous ayez une idée des projets qui sont menés à Nantes et qui ont valu du coup le prix de la capitale européenne de l'innovation, parce que ça arrive quand même pas souvent. une fois par an, donc voilà, du coup c'est le dossier peut-être s'est construit autour de ces initiatives et de ces tentatives qui étaient je crois vraiment, vraiment intéressantes. Il y avait des questions qui en fait faisaient des va-et-vient entre est-ce que ces méthodologies peuvent passer du secteur public au secteur privé, donc du coup Fanny, est-ce que vous imaginez que justement cette question sur l'action publique et cette étude de cas sur les municipalités avec les agents de technique des municipalités puissent se transférer dans un contexte dans le privé? Je ne sais pas pourquoi on me pose à chaque fois cette question. Il doit y avoir un intérêt des gens du secteur privé. Je suis tout à fait ouverte pour faire des essais et voir si ça peut mener à quelque chose. Parce que j'ai pas vraiment essayé encore avec des grosses entreprises privées. J'ai dû me cantonner, focusser un minimum pour avoir un propos. Non, bien sûr. Je réfléchissais parce que du coup, j'ai récemment à Ethics by Design, c'est une conférence organisée tous les ans, vu une jeune doctorante à Dauphine qui travaille sur ces questions d'innovation managériale et sur les nouvelles formes de gestion d'entreprise. Croiserait ses travaux. Pour le coup, elle les a étudiés uniquement dans un secteur privé, mais je vous enverrai aussi les, si vous voulez. Super, ouais. Non, mais c'est sûr qu'il y a des choses à lier
et des designers qui s'aventurent dans ces eaux de l'organisation, design organisation, l'aspect managérial des choses, il y en a de plus en plus et ça reste quand même encore des... On tâtonne un peu, mais c'est beaucoup, beaucoup de gens qui bossent là-dessus. Ouais. Je vais vous remercier parce qu'il est, il est presque 18h. Merci infiniment, Bassem, de votre temps. Vraiment, c'était très agréable de vous écouter et de replacer dans l'historique du dialogue citoyen qui était vraiment très clair et très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir mis des post-it dans tout ça avec beaucoup de certitude. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir repris le sujet, d'avoir effectivement mis en perspective la question de... du Covid qui permet de tester les innovations en action publique. Donc c'était tout sera sur YouTube en replay. Donc du coup on pourra te réécouter plus tard. Merci infiniment. Merci beaucoup Fanny de ta disponibilité. Du coup vraiment il nous tarde de t'accueillir à Nantes du coup en juin prochain pour la clôture de la chaire qui aura lieu les 8, 9 et 10 juin 2021. Avec un mix de tests d'outils, d'ateliers participatifs, de témoignages, de tables rondes et de conférences. Donc, on espère que ça pourra donner l'occasion de, voilà, de faire réfléchir et de proposer des espaces de discussion, de confrontation d'idées dans une conflictualité saine, comme l'a rappelé Bassem, en faisant croiser les points de vue pour plus de démocratie et de dialogue. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir accepté de présenter ADAPT. Et donc, on sera ravis d'avoir les retours du plus nombre d'usagers possibles et intéressés par le co-design en juin prochain. Voilà, vraiment merci beaucoup à tous. Merci Clémence d'avoir organisé tout ça. Merci. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt, Olivier. Salut. Au revoir.